Je voulais, d'abord je me présente, donc mon nom est Laurent Charréron et je développe une expertise sur tous ces sujets qui sont liés à l'identité numérique pour vous aider à comprendre leurs enjeux à la fois en termes d'usage, mais aussi dans toutes leurs dimensions, puisque c'est des sujets qui sont vraiment intéressants, mais qui sont compliqués, qui mélangent à la fois une dimension de compréhension de la technologie, qui malgré tout, qu'on le veuille ou non, est une dimension très très structurante, qui ont des impacts technologiques et des impacts juridiques, avec un contexte juridique qui évolue assez rapidement. Donc Olivier Théanu n'est pas là pour en parler dans le détail, mais je pourrais peut-être quand même faire allusion à certains cadres qui sont les cadres dans lesquels vous devez fonctionner, soit en tant qu'élu, soit en tant que responsable des services, mais qui fondamentalement sont des questions de démocratie et d'usage. Et c'est des sujets qui sont aussi intéressants parce qu'ils sont, sont immédiats, c'est-à-dire que les gens, nous-mêmes, en tant que citoyens, que consommateurs, nous sommes déjà dans l'ère virtuelle et notre demande, elle est dans cette direction. C'est-à-dire qu'il va falloir pouvoir servir le client, le consommateur, le citoyen dans cette dimension virtuelle. Et ce qui fait le lien finalement à travers toutes ces identités des individus, c'est bien cette problématique de l'identité numérique. D'où l'intérêt d'organiser ces assises. Nous sommes maintenant aux troisièmes assises et on voit le sujet qui évolue en moins d'un an de manière extrêmement, extrêmement, extrêmement rapide. Avant de passer à la table ronde, qui sera donc très axée sur c'est quoi la réalité du quotidien des usages de l'identité numérique aujourd'hui et quelles sont les nouveautés qui sont en train de se mettre en place, je voudrais juste prendre une dizaine de minutes pour peut-être poser les sujets, poser les problématiques si vous le permettez. Alors, la problématique de ce sujet, c'est qu'on mélange un peu les concepts, et même on les mélange tout le temps. C'est-à-dire que si vous prenez la problématique de l'identité numérique, dans le mot identité numérique, il y a le mot carte d'identité, qui sont des choses avec lesquelles le monde administratif est plutôt familier, mais on confond des notions qui sont des notions assez différentes. Par exemple, vous avez cette notion d'authentification, dire que la personne qui se connecte, qui vient présenter sa pièce d'identité, est bien la personne qu'elle prétend être. Ça, c'est une fonction régalienne assez bien connue. Et la fonction d'autorisation, c'est-à-dire à quoi le fait d'avoir montré son identité et prouvé son identité donne droit. Donc, en tant que citoyen, je dois à certains moments prouver mon identité, mais j'ai aussi accès à un certain nombre de services. Et en fonction de qui je suis, du contexte dans lequel je démontre mon identité, je vais avoir accès ou pas accès à certains services. Et à l'inverse, du point de vue de l'agent administratif ou du point de vue de l'élu, je vais donner un certain nombre, accorder un certain nombre de droits, accorder un certain nombre de services à des citoyens en fonction de la manière dont ils auront de présenter leur identité. Et les frontières sont de plus en plus floues parce que le monde est compliqué et que le monde est flou et que la dimension territoriale est absolument cruciale parce qu'elle tire un trait à travers toutes ces dimensions qui sont celles de la vie quotidienne et de l'identité. Et lorsqu'on sait que vous-même, dans vos communes, vous gérez jusqu'à parfois plus de 200 types d'applications différentes sur le plan informatique, on voit bien la complexité qu'il va y avoir de pouvoir faire communiquer toutes ces applications entre elles pour pouvoir offrir aux citoyens un service qui est un service unifié. Parce que nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, tout ce qu'on voit, c'est un guichet, l'administration, qui doit nous donner accès à tous les services auxquels on prétend, à juste titre ou pas à juste titre, avoir droit. Alors si on prend la notion d'authentification en particulier, si vous voulez, comme je le disais, elle est vraiment au cœur de l'identité, de la fonction régalienne, c'est-à-dire que le premier rôle de l'État, c'est de maintenir l'État civil, enfin de l'État de l'administration, c'est de maintenir l'État civil, et d'une certaine manière, mon identité, moi, en tant que citoyen, elle ne m'appartient pas, elle m'est donnée, parce qu'à un moment donné, on me délivre une carte d'identité, on me délivre une pièce d'identité, en fonction d'un certain nombre de critères d'information que je viens pouvoir communiquer. Lorsqu'on est dans un processus qui est un processus, j'allais dire, on démontre de manière positive cette identité, on est dans un processus cadré, bien normalisé, donc les choses sont relativement simples, et c'est ce qui va gouverner plus les relations du type employé, c'est-à-dire je suis un agent, je fonctionne par exemple dans une administration, et donc j'ai un rôle qui est bien défini, les choses sont à peu près cadrées. C'est un processus qui se déroule de manière assez bien limité. Par contre, l'identité va se vivre de manière différente lorsqu'on est dans une relation citoyenne. C'est-à-dire, en tant que citoyen, finalement, ce n'est pas l'administration qui va me dire qui je suis, c'est moi qui vais dire à l'administration qui je suis, ou au service qui je suis, ou à Facebook, ou à Google, ou à qui que ce soit.
Et là, on ne va plus parler d'authentification, mais d'identification. C'est-à-dire qu'on va prendre différents éléments qui vont construire notre personnalité, finalement, en ligne, pour pouvoir dire, oui, à plus ou moins 99%, la personne qui est en face de moi à travers Internet est bien la bonne personne, et donc je vais pouvoir lui donner un certain nombre de droits ou rendre le service. Et cette problématique d'authentification ou d'identification passive, si vous voulez, vous n'êtes pas les seuls en tant que, j'allais dire, collectivité territoriale ou locale à l'avoir. Tous les gens qui ont un site Internet, que ce soit la SNCF ou qui que ce soit, se posent cette problématique-là. C'est de dire, bon, c'est qui le gars ou la fille en face, c'est qui ? Est-ce que c'est un chien ? Vous savez, vous connaissez bien l'image de dire sur Internet... ça peut être un chien de l'autre côté qui échange avec vous, mais c'est une problématique de plus en plus quotidienne. Et il va falloir aller chercher, et c'est bien toute la problématique des systèmes d'information dont on parle aujourd'hui, aller chercher comme ça de manière tous les éléments qui permettent de définir ce portrait mosaïque de quelqu'un pour pouvoir lui délivrer le service et le faire de manière totalement transparente. Vous imaginez donc que c'est assez compliqué sur le plan technique. Et que, d'autre part, ça correspond à une complexité qui est aussi celle des usages. Pourquoi ? Parce que, un jour, je suis en train de téléphoner avec mon téléphone portable, je suis dans la rue, et il se passe quelque chose. 10 minutes après, je suis à mon bureau, je suis connecté sur mon PC. Le soir, je suis à la maison. Vous voyez, les modes d'accès qu'on a à ce monde virtuel se multiplient à très, très grande vitesse. Et à chaque fois, c'est une nouvelle personnalité qui s'exprime. Et il va falloir essayer de faire d'avoir une clé de voûte de tout ça pour pouvoir offrir un service qui est un service unifié. Comme je le disais, la problématique que vous avez en tant que collectivité, c'est que vous avez à traiter à la fois des identités qui sont des identités assez bien structurées, soit dans les relations avec les agents par exemple, soit dans des relations de type régalienne, lorsque vous devez délivrer des pièces administratives et des choses comme ça avec l'administré. Mais l'essentiel de l'activité va être dans un monde qui est un monde relativement peu structuré, avec des interactions diverses et variées, où le citoyen va être demandeur de ces interactions permanentes. Et en même temps, ça va être extrêmement crucial pour vous de délivrer ces services, puisque c'est vraiment cet échelon de proximité qui est celui de la légitimité du pouvoir politique sur le plan local. C'est parce que vous êtes là au quotidien, vous savez bien sûr que l'échelon local est le plus légitime. Pourquoi ? Parce que je connais l'agent qui est en face de moi, parce que je connais mon maire, parce que je l'ai élu. Plus on s'éloigne de cette proximité, moins le pouvoir politique est perçu dans sa légitimité. Et donc c'est vraiment important de pouvoir se réintermédier, comme on dit, on parlait tout à l'heure d'ubérisation, mais c'est important d'éviter de se faire ubériser. Parce que n'importe quel fournisseur de services qui va s'emparer du problème et puis fournir le service à votre place, d'une certaine manière, il va s'emparer de la légitimité que vous avez. Qu'est-ce qu'on voit de plus en plus ? C'est des portails de services, des gens qui se tournent vers vous en disant « Maintenant, ce que je voudrais avoir, c'est un seul guichet et vous êtes l'échelon le plus légitime pour m'offrir la totalité des services, finalement, que je veux, dont j'ai besoin dans ma vie administrative. » Et ces services peuvent être rendus par vous, mais ils peuvent être rendus par le département, par la région, par l'État, etc. etc. L'échelon d'agrégation, c'est vous. Et donc l'échelon qui va, en quelque sorte, déterminer cette identité du citoyen, c'est le vôtre. Alors techniquement, les choses peuvent être assez compliquées. Je voudrais juste revenir un peu en arrière, si vous voulez. L'autre aspect, qui est l'aspect d'encadrement juridique, il est le suivant. C'est-à-dire qu'en fonction de votre appréciation de l'identité de la personne que vous avez en face, vous allez pouvoir lui donner des droits ou ne pas lui donner des droits. Donc il y a tout un cadre juridique qui est en train de se mettre en place, notamment au niveau européen, qui consiste à pouvoir aligner finalement les niveaux d'authentification qu'on va demander aux gens en ligne pour pouvoir leur rendre des services. Donc il y a une directive européenne qui s'appelle la directive EIDAS, dont les règlements d'application doivent rentrer en application à partir du mois de juillet prochain en particulier, et donc je peux vous dire que ça travaille sec dans les institutions pour arriver à dire, pour délivrer tel papier, il faut pouvoir avoir en ligne telle police d'assurance, si vous voulez, en quelque sorte. C'est un peu comme Vigipirate. En fonction d'un degré de risque, vous avez différentes procédures. Donc ça, c'est des choses qui sont en train de se formaliser de manière assez rapide.
Et puis, il y a des aspects de responsabilité aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation, j'allais dire, cette relation floue avec l'individu, c'est pas, l'individu reste propriétaire de ses données. Donc là encore, vous avez un cadre très important qui est en train de se dessiner, qui est celui de la protection des données personnelles, avec une réglementation européenne qui, elle, va sortir dans les deux prochaines années, mais qui vise à vraiment sanctuariser les données personnelles, et donc vous impose un certain nombre de réalités. La première réalité, c'est que l'utilisateur peut faire ce qu'on appelle un opt-out, c'est-à-dire dire « non, je ne veux pas que vous capturiez mes données ». Donc déjà, ça limite un certain nombre de possibilités d'identification. Mais ça veut dire aussi que dans certains cas, vous allez de toute façon capturer ces données, qu'il va falloir les stocker pendant une certaine durée, dans des conditions de confidentialité, de pouvoir permettre à l'utilisateur d'avoir accès à son dossier. Donc, si vous voulez, ça va rajouter toute une infrastructure et une certaine forme de complexité à la gestion de l'interaction de l'utilisateur. Et pourtant, ce n'est pas négociable, c'est comme ça que ça va se passer. Ces mêmes obligations s'appliquent par exemple à Facebook de nos jours. Vous avez la possibilité, ce qu'on appelle le droit à l'oubli par exemple, d'aller faire effacer toutes vos traces finalement dans le monde Facebook. C'est un droit qui reste malgré tout un droit relativement théorique parce que je ne crois même pas que techniquement Facebook soit à même d'aller effacer toutes les traces qu'ils ont de vous dans leur système. Mais c'est des choses qui rentrent dans le droit et qui vont être importantes de pouvoir implémenter. Alors, je conclue rapidement, mais sur le plan technique, si vous voulez, sur le plan technique, ce qui porte votre identité, c'est une clé. Une clé, c'est quoi? C'est une suite de chiffres, okay, plus ou moins longues, qui devient vous dans le monde virtuel. Lorsqu'on prend cette clé et qu'on la met dans un support qui est un support physique, comme une carte à puce, par exemple, elle est bien protégée. Le seul problème, c'est que la carte à puce, ça va bien quand il y a un lecteur de carte à puce, éventuellement... Même si on utilise le sans-contact, ça peut faciliter la tâche, mais la carte à puce, je ne la mets pas dans mon téléphone portable. Or, de plus en plus, les gens utilisent leur téléphone portable. C'est ça le moyen d'usage. Donc toute la difficulté, et on va en parler tout à l'heure, c'est d'arriver à finalement lier des usages qui soient des usages quotidiens de nos identités en utilisant le moyen le plus courant qui va permettre... de faire en sorte de simplifier la vie de l'utilisateur, parce que ce que veut l'utilisateur, c'est que ce soit fluide, et il ne veut pas se préoccuper de quoi que ce soit. Ce que veut l'utilisateur, c'est d'avoir un seul mot de passe, parce qu'il en a ras-le-bol d'avoir 150 000 mots de passe qu'il oublie sans arrêt, qui, soit dit en passant, sont des gros problèmes de vulnérabilité même des administrations, donc ça va dans le sens de l'histoire d'avoir qu'un seul moyen, qui soit un moyen solide de prouver son identité. Par contre, il va falloir que ce moyen soit utilisé de manière quotidienne, lié à des usages quotidiens, pour que les gens s'en rappellent, pour qu'ils s'en servent tout le temps. D'où l'intérêt de lier, par exemple, l'identité numérique avec des cartes de transport. Vous allez avoir un certain nombre d'exemples tout à l'heure de grosses initiatives qui sont faites et qui permettent de faire de la carte de transport le fédérateur de toute une série d'identifications, d'identités et de moyens pour d'autres usages. Maintenant, la carte de transport, c'est un mode d'usage possible. Lorsque je suis devant mon portail, par exemple, pourquoi pas mon portail de la ville de Rennes ou de la ville de Caen, je veux pouvoir aller créditer ma carte de transport, créditer ma carte de cantine, faire tous ces aspects multiservices, mais il va falloir que je le fasse en prouvant mon identité. Et ce serait bien si je pouvais prouver mon identité en allant moi-même choisir, par exemple, le service en qui je fais confiance. Par exemple, ça pourrait être la mairie. Vous voulez mon identité? Pas de problème, vous allez utiliser l'état civil ou bien vous allez utiliser mon numéro d'impôt. Et ça, c'est la problématique de ce qu'on appelle les outils de fédération d'identité, et dont le premier, qui est vraiment très, très intéressant, est France Connect, que nous présentera Guillaume Blot. Donc vous voyez, on est vraiment dans ce moment de convergence avec, d'un côté, une technologie qui est là, qui c'est pas sorcier, la technologie est là, elle est disponible, elle est maintenant standardisée. L'image que j'utilise d'habitude, c'est vraiment toujours celle d'un tuyau d'arrosage. Vous rentrez chez Truffaut, pour ne pas les citer, vous avez besoin d'un système d'arrosage, tous les tuyaux sont là, il y a 3 ou 4 fournisseurs qui ont toujours des connecteurs qui vont bien, qui sont toujours les mêmes. Par contre, ça ne vous dit pas comment il faut arranger votre plante verte. Donc les usages, les services, c'est vous qui allez les développer, mais sachez que les infrastructures sont maintenant disponibles, le cadre juridique est en train d'être fixé, donc vous pouvez aussi y aller. Ça va nécessiter de se raffiner au fur et à mesure, mais les cadres juridiques sont là. Ensuite, derrière tout ça, c'est le but, c'est de vous permettre de fluidifier les usages le plus possible pour que les gens s'en servent, en évitant les effets de seuil, de complexité, d'exclusion finalement qui se mettent en place, et de faire vivre au quotidien cette démocratie locale.
Voilà, j'ai peut-être été un peu confus, je m'en excuse, mais je pense que c'était important de pouvoir essayer de planifier les enjeux. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est appeler les participants à la table ronde, où là, on va vraiment vous montrer un certain nombre de choses. Donc, Guillaume Blot, Anne Le Dirac, si vous voulez bien me joindre, Julien Marco, Éric Clamins, et puis Amélie, Madame Brun. Voilà, très bien, merci. D'accord. Oui, c'est mieux, ça y est. Voilà, donc je voulais profiter de l'installation de la table ronde pour vous annoncer que Jean-Vincent Placé, donc secrétaire d'État à la modernisation de l'État et à la simplification, a bien confirmé sa présence cet après-midi à 16h parmi nous. Et donc il clôturera avec nous la journée de ces assises territoriales de l'identité numérique du citoyen. Voilà. Alors si vous permettez, je vais rester en bas. D'une part, et puis d'autre part, les tables rondes qui ne sont pas vraiment rondes, ben ça m'a toujours posé un problème, donc je vais essayer de faire passer le mot. Ben je pense que Éric Clamins t'en joindra dans 2 minutes. D'accord. On va peut-être démarrer avec vous, Guillaume. Donc vous êtes le directeur de France Connect, donc du SGMAP, donc c'est vous qui êtes l'architecte et qui avez mis en place ce système. Et on a un peu un scoop aujourd'hui dans le sens que Guillaume va nous montrer peut-être ce qu'il n'a jamais montré jusqu'à présent, c'est-à-dire quelle est la réalité de France Connect. Il ne s'agit pas d'une annonce officielle, mais on va vous montrer des choses. Et ça, je vous laisse la main, Guillaume. Alors, voilà, merci. Bonjour à tous et à toutes. Mesdames et messieurs les élus, merci de nous accueillir aujourd'hui. Je suis un peu paresseux et j'aime le risque. Donc, je ne vais pas vous présenter de diapositive. Il y aura une petite vidéo, certains d'entre vous l'ont vue, je l'avais déjà projetée, en tout cas dans sa version précédente à Lille. À Lille aussi, on vous avait montré un certain nombre d'expérimentations de France Connect. Je vous en montrerai un peu plus abouti aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on aime le risque, en espérant que toute la connectique fonctionne aujourd'hui. Malheureusement, je serai aussi obligé de dévoiler certaines informations personnelles pour vous montrer que ça marche. Donc, je demande à tous ceux qui filment de ne pas trop les relayer, des choses qui pourraient me gêner par ailleurs, vous comprendrez par la suite. Donc en 10 minutes, je vais essayer de vous démontrer comment fonctionne France Connect, mais je vais déjà démarrer par un petit rappel de calendrier, parce que je pense que c'est important pour tout le monde. France Connect, en fait, c'est une clé de voûte, comme on le dit, d'une démarche, d'une stratégie plus globale qui s'appelle l'État plateforme, ou la stratégie plateforme, qui est une transformation numérique des services publics. Donc France Connect s'adresse à tout ce qui concerne l'identification, l'authentification de la vie numérique, mais également tout ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle dans les échanges de données. Vous comprendrez mieux par la pratique tout à l'heure. Nous avons lancé le projet en fait en septembre 2014, suite à une communication au Conseil des ministres, d'ailleurs le 17 septembre 2014. Nous sommes rentrés en expérimentation en septembre 2015, un an plus tard. Nous avions annoncé que nous souhaitions poursuivre ces expérimentations jusqu'au premier trimestre. Nous sommes au premier trimestre 2015. Et nous allons bientôt sortir de la phase d'expérimentation. Le service est quasiment bon aujourd'hui, en tout cas bon pour le service. C'est-à-dire que tous ceux qui ont déjà collaboré avec nous, et je rappelle, c'est 700 personnes issues des collectivités, de l'État, des industriels, qui ont participé à ce qu'on appelle des Open Labs depuis plus d'un an et demi.
ils vont tous être informés qu'ils vont pouvoir très bien prochainement brancher officiellement France Connect pour tous ceux qui l'ont préparé. Je m'adresse aussi particulièrement aux collectivités. Nous avons commencé à tisser des liens avec un certain nombre d'industriels, ils sont dans la salle notamment, je vois des amis d'Arpège qui d'ailleurs ont commencé à communiquer aussi, je les en remercie, sur le fait qu'ils se préparent dans leur solution à voir réintégrer France Connect pour l'apporter directement aux collectivités pour éviter que chacun ait à refaire le même travail. Donc tout ça, ça se mesure en quelques jours. Ça va être annoncé dans quelques jours. Et l'inauguration officielle de France Connect aura lieu au printemps. Elle sera portée par les plus hautes autorités de l'État. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais il y aura un événement très probablement à cette occasion. Donc passons maintenant à la pratique. Je ne vais pas vous faire de diapositive. Je vais vous passer déjà la vidéo que certains connaissent. Alors ça, c'était le site officiel France Connect jusqu'à maintenant. Il va réellement bientôt s'appeler franceconnect.gouv.fr ou franceconnect.fr, tout a été déposé depuis longtemps, où on trouve tout ce qu'il faut pour utiliser ou intégrer France Connect. Donc je ne vais pas vous le balayer parce que ça serait trop long, je vais juste vous envoyer la vidéo, s'il y avait le son. Enfin, prendre un peu de temps quoi. Ah, il faut un... Elle dure une minute. Voilà. Comment simplifier ses démarches en ligne? Entamer une démarche administrative en ligne peut s'avérer un peu lourd. Enfin, prendre un peu de temps, quoi. Il faut avoir les bons identifiants et mots de passe pour la bonne administration. Et bien entendu, pour chaque démarche, remplir les bonnes informations et avoir les bons justificatifs sous le coude. France Connect est la solution qui permet à chacun d'utiliser l'identifiant de son choix et de prouver son identité. Et lors d'une démarche administrative, France Connect permet aux administrations de s'échanger les données vérifiées et nécessaires. Juste le temps de la démarche, bien sûr. Résultat, les démarches sont plus légères, plus rapides et sécurisées. France Connect, l'accès universel aux administrations en ligne. Voilà, en résumé, les enjeux de France Connect dans cette vidéo d'une minute. Donc tout ça est accessible en ligne dès aujourd'hui à l'adresse qui est là et sur une adresse beaucoup plus lisible dans très peu de temps. Alors je vais vous montrer comment ça marche. Il y a un service qu'on aimerait tous ne pas avoir à consulter. Donc, c'est savoir où on en est sur son solde de points de permis de conduire. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, pour consulter son solde de points, il faut remplir tout un formulaire, éventuellement avoir un code télépoint ou éventuellement aller à la préfecture et ça prend un certain temps. Ce qui a été mis en place avec le ministère de l'Intérieur, donc c'est en expérimentation depuis novembre, normalement que pour les permis délivrés depuis le 1er janvier 2014, donc c'est une expérimentation. Il faut savoir que nous sommes en phase de généralisation, en fait, dès aujourd'hui, 27 millions de personnes peuvent l'utiliser, notamment pour ce qui me concerne. Donc je voudrais consulter mon solde de permis de conduire, donc je n'ai pas envie d'aller à la préfecture, j'ai pas envie, j'espère que j'ai la connexion, parce que je l'avais tout à l'heure. Oui, donc là, je vais essayer de le consulter avec France Connect. Il y a un bouton, voilà. Donc France Connect, aujourd'hui, permet de se connecter au service qui adopte France Connect, soit par son identifiant des impôts, soit par ceux de la Poste, au travers de son offre login. Donc sachez qu'aujourd'hui, toute personne peut demander à la Poste, remplir un formulaire en ligne, pour avoir une identité numérique certifiée par un facteur qui vient chez vous. Voilà, s'il y en a qui le souhaitent. Bon, moi, j'ai les deux, je vais utiliser impôts.gouv. Donc là, si vous pouviez griser, ce sont mes vrais numéros fiscaux, enfin, en tout cas, mon vrai numéro fiscal. Donc, vous allez voir que je suis un excellent conducteur. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, en espérant que j'ai la connexion. Alors, tout marchait très bien tout à l'heure, mais... voilà. C'est l'effet démo. C'est toujours l'effet démo, on prend toujours des risques. En fait, ça ne marche pas, France Connect. Ben là, c'est l'accès. Voilà, en fait, ça ne marche pas, c'est ce que vous allez dire. On reparlera de l'accès Internet sur le territoire. Donc là, on est dans l'accès mobile, ce qui explique la... Je suis en accès, il n'y avait pas de liaison Wi-Fi, donc ouais. Je suis en accès 4G. Bon, on va attendre. Ah. Il n'y en a plus.
Donc je vais réessayer. On ne sait jamais. Ah si, ben voilà. Donc voilà, juste en utilisant mes identifiants des impôts, je peux accéder à mon solde de points sans avoir toute la procédure qui existe. Et là, j'en profite, l'information est certifiée, parce que via France Connect, on fait un contrôle avec le RNIPP, au passage, c'est le répertoire national d'identification des personnes physiques. Donc c'est vraiment une information certifiée. Alors il faut savoir, ce n'est pas la première fois que je le fais. La première fois que vous le faites, le ministère de l'Intérieur vous demande de saisir aussi votre numéro de permis. Pourquoi ? Pour être sûr qu'on s'associe au bon numéro de permis. Mais c'est tout. Après, c'est certifié. Donc du coup, vous découvrez mes trois prénoms. Je suis plus vieux que j'en ai l'air. En tout cas, j'espère. Et que, malheureusement, il ne me reste que 10 points. Voilà. Bon. Voilà. Donc, voyez, sur ce service-là, qui est en phase de généralisation, on simplifie énormément l'accès. Alors, il est évident que nous sommes... Il y a aussi des expérimentations avec des villes, notamment la ville de Nîmes, pour accéder... Vous voyez, le bouton, là, il se présente comme ça. Plutôt qu'avoir à créer un compte sur la ville de Nîmes, je veux accéder à mon compte ville de Nîmes. Voilà. Donc là, je vais... Ah, bah, j'aurais pu utiliser la poste pour varier. J'espère que j'ai... Voilà, et là je suis connecté, alors là aussi c'est un écran VGA, vous ne le voyez pas, je ne vais pas vous montrer toutes mes données personnelles, je ne suis pas habitant nîmois, mais Nîmes a accepté que je puisse avoir un dossier, mais là aussi je suis connecté avec, avec mon compte France Connect. Donc vous voyez, ça marche réellement. Il y a un service qui marche beaucoup en ce moment en fait, qui a démarré en expérimentation début janvier, c'est guichet entreprise, notamment pour créer des auto-entreprises. C'est beaucoup plus simple parce qu'on n'a plus besoin, avec France Connect, de fournir sa pièce d'identité. Et là, l'espace personnel de guichet entreprise est accessible aujourd'hui en expérimentation avec France Connect. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1500 clics. On n'a fait aucune communication sur France Connect. Tout le monde en parle, mais on n'a pas fait encore de communication. Nous avons 1500 clics réels chaque semaine d'usagers. Et il y en a pratiquement 400 à 500 qui sont sur guichet entreprise. Il n'y a eu aucune communication. C'est-à-dire qu'il y a un réflexe qui s'est fait immédiatement parce que ça simplifie énormément la démarche. Donc je ne vais pas tout vous montrer parce qu'on a 10 minutes et je les ai déjà presque consommées. Allez-y, allez-y. Je pense voilà. Il y a aussi, je vais vous le montrer, c'est ouvert depuis hier. Vous savez, mon service public, parce que vous êtes très concernés. Donc il y a la nouvelle génération de service public.fr qui a ouvert hier. C'est la DILA qui porte ça. Et la DILA a fait cette nouvelle génération directement compatible avec France Connect. Donc là, je vais m'y connecter avec France Connect. Aussi, j'espère. Voilà. Et vous voyez une chose. Il ne m'a pas redemandé de choisir mes identifiants. Alors c'est tout simplement, là, pour les techniciens, je pense que c'est tout simplement que France Connect est aussi un SSO, un Single Sign-On. C'est-à-dire que sur mon Mac, pendant quelques minutes, je me suis identifié une fois. Ce n'est pas la peine de me réidentifier. Donc là, vous voyez directement, alors ça me fait plaisir parce que vous voyez, ça paraît le fait que je suis un partenaire qui était l'une des premières villes Internet. Donc je ne sais pas s'il y a des amis de partenaires ici, mais s'ils nous écoutent, voilà, j'espère que partenaire adoptera France Connect très vite, ça me ferait très plaisir. Voilà, c'est ma fiche contact avec, je ne vais pas rentrer plus dans le détail, sur le sujet. Alors, ce que je vais vous montrer également, c'est que je vais aller sur un espace de mon service public, notamment, qui a été activé. Hop là, pourquoi je ne... D'ailleurs, je suis en écran VGA. Voilà, bon, je vais vous le montrer à un autre moment. Donc, voilà, je pourrais vous montrer, il y a une douzaine de sites en ce moment qui participent aux expérimentations. Ça marche réellement. Et quand aujourd'hui, avec France Connect, ce qui se passe avec d'autres systèmes d'identification, France Connect, vous voyez, je viens d'utiliser France Connect, c'est mon adresse mail personnelle. Là, on voit que j'ai utilisé France Connect pour accéder à service public. Donc là, je suis directement sur ma boîte mail personnelle. Donc on est informé exactement de ce qui se passe. Je cite ça parce que j'ai une petite histoire. Il y a quelqu'un qui, il y a quelques jours, a reçu un mail comme ça.
Il nous a contacté, il nous a dit, bah, ça sert à ça, hein, c'est pareil avec les autres systèmes. Et il a dit, mais c'est quoi? Je ne connais pas France Connect, je n'ai jamais utilisé, ça fait mes comptes, en plus c'était des comptes DGFIP, ça fait 2 ans que je les ai plus utilisés, je ne sais plus où ils sont, donc il y a quelqu'un qui a utilisé mon identité pour rien. Donc évidemment, on va chercher, on l'aide, on le contacte. Bon, en fait, pour la petite histoire, c'était son ex-conjointe qui continuait à utiliser ses codes DGFIP et il ne le savait pas, donc voilà. Et au bout du compte, il nous a remercié, il a dit « j'adopte tout de suite France Connect partout, mettez-le le plus vite possible parce que c'est un élément de sécurisation de ma vie personnelle dans l'accès aux services publics, puisque toute personne qui adopte le bouton France Connect a ce service-là immédiatement disponible. » Voilà, donc ça c'est pour... premiers éléments de démonstration. Là, je vais aller, parce que j'en ai un peu, j'ai pas trop envie de me dévoiler complètement sur ma vie personnelle. Je vais vous montrer un autre usage de France Connect, mais sous forme d'un exemple, je crois de l'avoir déjà montré, qui est en ligne. Hein. C'est que France Connect n'est pas qu'un système d'identification et d'authentification. On l'a vu dans la vidéo. Donc, je vais utiliser, là, je vais me connecter à France Connect, mais c'est un France Connect avec des données factices. Donc, du coup, vous comprendrez, le numéro fiscal ne veut rien dire. Voilà. Et là, c'est quelque chose qui a été fait, notamment avec des collectivités. Je vais aller sur une démarche, je veux inscrire mon enfant à la mairie. Donc déjà, grâce à France Connect, l'identification et les données d'identité ont été certifiées. On n'a pas besoin de les redonner. Et là, pour inscrire mon enfant, il va s'appeler Mercier, Merlin, pour le prénom. Et là, vous voyez, on ne vous présente pas un formulaire. Vous savez, on a l'habitude, quand on parle de démarches en ligne, de faire des formulaires dématérialisés, à l'image des CERFA qu'on utilise. Donc là, le guichet des Nantais a demandé à France Connect de solliciter l'usager pour aller chercher les données là où elles se situent dans, à l'administration. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'autodétermination informationnelle. C'est-à-dire que c'est l'usager qui accepte ou pas que la mairie de Nantes aille chercher mon information fiscale. C'est moins ce qu'on vit tous avec les mobiles, tout simplement, quand on nous demande « voulez-vous qu'on accède à vos données de géolocalisation ?» C'est le même principe. Sauf qu'on l'a généralisé. Enfin, en tout cas, la mécanique permet de généraliser. Et là, l'usager va dire « j'accepte ». C'est plus simple. À partir du moment où il accepte, on lui calcule automatiquement le coût du repas, en fonction de son revenu fiscal de référence, on récupère ses adresses et un certain nombre de choses. Et en plus, on a accédé réellement à des API, c'est-à-dire des administrations qui certifient la donnée. Donc je confirme l'inscription, et là, avec cette démarche, on n'a plus besoin de fournir quoi que ce soit par mail à côté, pour fournir ses justificatifs, fournir son identité. Évidemment, pour aboutir à ça, il faut que les grandes administrations ouvrent leurs API. C'est une autre démarche, je vais conclure tout à l'heure en vous expliquant là où on est également, pour que vous puissiez utiliser ces API. Notamment la Direction générale des finances publiques, pour l'API des données de particuliers, elle est en train d'être fabriquée conforme à ce principe évoqué avec France Connect. Les API, Guillaume, vous pouvez expliquer. Donc l'API, c'est une interface de programmation pour le terme français. C'était simplement le moyen d'accéder à un grand référentiel de données de manière sécurisée. C'est une sorte de protocole. C'est comment le guichet des Nantais fait pour interroger le fichier de manière sécurisée, par exemple de la DGFIP, pour récupérer l'information. Et France Connect joue le rôle de tiers de confiance vis-à-vis de ça et permet réellement de simplifier les informations. Ce qui existe aussi avec France Connect, c'est la possibilité pour l'usager à tout instant de consulter l'historique de ses connexions. C'est-à-dire l'usager peut à tout moment, par exemple là, je viens de constater qu'il y a bien eu un échange de données avec la mairie de Nantes, que j'en ai bien donné l'autorisation à telle date et que je m'étais connecté avant. Donc l'usager également sait ce qui se passe. À tout moment, il peut savoir ce qui se passe. Il n'est pas comme la personne que j'ai évoquée tout à l'heure qui ne savait pas que ses identifiants étaient utilisés par son ex-épouse depuis 2 ans. Donc voilà, c'est un élément essentiel pour France Connect. Alors, je vais vous faire, comme dans d'autres démonstrations, on dit one more thing, je vais vous faire aussi autre chose, c'est qu'on nous interpelle souvent, est-ce que France Connect est utilisable sur mobile ?
Ah tiens, ça tweet. Sur, voilà. Donc, on est en train, là, je vais vous monter un prototype, mais qui est réellement en ligne, d'utilisation de France Connect sur mobile. Donc, on a prévu aussi une application mobile de France Connect, mais c'est aussi pour montrer que ceux qui veulent faire des services numériques sur mobile ou sur tablette, ça marche. Donc là, vous ne me voyez pas, je clique. Voilà. Donc, je vais utiliser... Voilà. Et ça, cette application sera disponible pour les usagers, notamment. C'est pas un film, hein. Je suis réellement, même si vous voyez QuickTime, c'est une astuce juste pour permettre de visualiser. Voilà, donc Eric Mercier. Donc de cette application, alors vous pouvez, l'écran est un peu restreint, ça veut dire grâce à cette application, l'usager pourra connaître exactement les données d'identité connues chez les fournisseurs d'identité. Ce qui est un bon moyen aussi de vérifier. Il aura aussi toutes ces données de contact qui sont connues, qui peuvent être utilisées par France Connect. Mais l'historique dont je vous ai parlé, l'usager pourra y accéder ici. Là, notamment, vous voyez, on vient de se connecter en mobile. Voilà. Donc, et cette application mobile portera des moyens d'authentification renforcés. Vous savez ce qui se passe aussi quand on utilise les moyens de paiement. Si à un moment donné, on souhaite qu'une démarche ou un service numérique ait besoin d'une authentification renforcée, on pourra faire appel à cette application pour afficher un deuxième facteur d'authentification. Alors un moyen d'authentification renforcé, c'est par exemple votre carte bleue plus un code PIN. Vous voyez, il y a un facteur qui est ce que vous avez, la carte bleue, votre code PIN, c'est ce que vous savez, les deux ensemble, la banque vous donne de l'argent. Quand on fait un paiement en ligne aujourd'hui, souvent, on vous demande soit de saisir un code que vous avez reçu par SMS, soit d'aller activer l'application de votre banque pour aller saisir un code directement dans cette application. Ça veut dire que ceux qui voudront développer des démarches où on a besoin d'un niveau de sécurisation supplémentaire, on pourra le faire via cette application. Voilà. Et pour conclure, je suis vraiment trop long. Non. Et pour conclure, je vais revenir sur... je vais aller sur... hop là. Donc, je vous ai montré un site, le site développeur France Connect, donc tout à l'heure. Il existe aussi un site... Et ta plateforme, qui est plutôt un site de communication institutionnelle, je vous conseille d'y aller. Donc là, par exemple, a été publié hier donc une nouvelle expérimentation, c'est le conseil départemental du 05, sachant que c'est le conseil départemental du 06 qui avait démarré les expérimentations en septembre dernier. Et nous sommes aussi en train de préparer... un site, donc il n'est pas encore ouvert au public, mais il est accessible, où on, où on va, c'est une sorte de magasin d'API, vous savez ce que j'ai expliqué tout à l'heure, pouvoir trouver toutes les API qui permettent d'accéder à des données de l'État. Donc il en existe déjà un certain nombre, notamment dans le monde de l'entreprise. C'est pour ceux qui, le SGMAP a développé toute une offre d'API permettant d'accéder à des données entreprises. Elles peuvent être utilisées par les collectivités locales de la même manière. Donc ça sera classé par données confidentielles, tout ce qui est lié au calcul et simulations. C'est à partir de là, d'ailleurs, que le SGMAP développe ses propres produits numériques. Nous utilisons nous-mêmes ces API que vous pourrez, et que vous pouvez, pour celles qui existent, utiliser. Donc, hop là, je sais pas... Combien de temps pour implémenter ce bouton France Connect? On a vu la ville de Nîmes, on a vu... Combien ça coûte? Ça veut dire quoi? Est-ce que c'est un truc... C'est une excellente question. Et la réponse est variable selon le service numérique où on veut l'implanter. Installer le bouton France Connect, en fait, ça prend un jour et demi à un développeur bien constitué. Ça, c'est pas très compliqué. Sauf que mettre le bouton sur la page... Faire appel à France Connect, ça se fait donc en un jour et demi. Mais déjà, il faut, en termes de design, que le site web est prévu, où il y ait la place de le mettre. Mais France Connect renvoie une manière d'identifier les gens. Il y a ce qu'on appelle l'identification pivot. Alors, c'est peut-être encore un nom technique, mais je préfère l'expliquer, parce que tout ça, c'est publié par arrêté. France Connect ne crée pas un identifiant unique,
contrairement à ce qui se dit. Ce n'est pas un identifiant unique, c'est un moyen d'identification. Sauf qu'on a quand même, avec l'accord de la CNIL, défini ce qu'on appelle l'identité pivot, c'est-à-dire la manière d'identifier des gens. Leur nom, leur prénom, la date de naissance, le lieu de naissance, je ne vais pas tout citer, tout est documenté. Et ce qui veut dire que le service numérique, faut qu'il soit en mesure, lui, d'identifier correctement les gens avec cette identité pivot. Je ne sais pas si je suis bien clair. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous identifiez les gens qu'avec le nom, prénom ou avec un pseudo ou ces choses-là, ben, faut faire la passerelle avec France Connect. Donc là, selon la difficulté, ça rajoute quelques jours, à plusieurs semaines, ça dépend des cas de figure. Voilà. Mais je vous conseille fortement, c'est publié par arrêté, cette identité pivot, d'imaginer maintenant vos services numériques selon ces moyens d'identification. C'est des textes officiels, c'est conforme IDAS, au règlement IDAS. Ça sera déclaré comme conforme au règlement IDAS. Et vous ne l'avez peut-être pas vu, mais on va avoir d'autres fournisseurs d'identité dans le cadre de France Connect. Mais notamment, apparaîtront des fournisseurs d'identité de l'Union européenne pour être conformes au règlement IDAS. Pourquoi ? Parce que le règlement IDAS, en termes de praticité, il induit qu'un usager ou un citoyen d'un pays de l'Union européenne puisse utiliser son identité numérique issue de son pays dans l'accès à un autre service numérique d'un autre pays de l'Union européenne. Pour faire simple, un Belge qui a une identité numérique fournie en Belgique, il doit pouvoir utiliser cette identité numérique pour accéder à un service public numérique ou service privé numérique en France. Et réciproquement, un citoyen français doit pouvoir, avec son identité numérique, l'utiliser pour accéder à un service numérique d'un autre pays de l'Union européenne. Et on a prévu France Connect pour être conforme à ça, ce qui veut dire qu'un citoyen de l'Union européenne, pour tous ceux qui auront adopté France Connect, vous serez compatible IDAS, c'est implicite, puisque l'usager choisira, ni plus ni moins, le drapeau européen, et on lui affichera la liste des fournisseurs d'identité de l'Union européenne. Et réciproquement, les autres pays de l'Union européenne feront une passerelle avec France Connect. Voilà. D'ailleurs, les expérimentations sur ce sujet, je vais conclure là, je suis très long, mais sont prévues à la fin de l'année, avec d'autres pays de l'Union européenne, d'autres collègues. Voilà, j'espère avoir été concret, pas trop... Ce qu'on pourrait faire, c'est prendre deux ou trois questions tout de suite, voilà. Et continuer le panel. Il y a toujours une question tout de suite, même d'un panéliste, Eric. Sur Nantes, le guichet a été développé par France Connect ou développé par la BIN ? Il a été développé à l'occasion d'un Open Lab ou d'un hackathon. Donc je ne sais plus vous répondre. Voilà. Un hackathon, c'est donc une réunion qui se passe... Une réunion, un hackathon, c'est une réunion qui se passe l'espace d'une demi-journée. Donc c'est quand même pour montrer que d'un point de vue technique... L'implémentation d'un service comme France Connect n'est pas un problème, c'est-à-dire que ce n'est pas un investissement. Par contre, il faut savoir comment l'intégrer, dans quelle séquence d'usage l'intégrer et qu'en faire. Et c'est là qu'on y a une réflexion sur les usages qui doit prendre place. Oui, j'en profite, je l'ai indiqué tout à l'heure en donnant un chiffre de 700 personnes qui sont venues dans les Open Lab à Caton. En fait, on a voulu une démarche innovante également dans la construction de France Connect. C'est-à-dire, dès le départ, on s'est dit, on ne va pas créer une équipe projet qui va être isolée dans son coin et puis un jour va sortir le produit miracle. Comme c'était une solution qui devait s'adresser à tous, y compris d'ailleurs, surtout d'ailleurs, aux citoyens et aux usagers, on s'est dit, on va travailler avec tous les partenaires possibles. Et on a créé les démarches agiles qui permettent ça. On a eu de nombreux open labs, des hackathons, et justement, où les collectivités, où les services de l'État, où les usagers ont pu participer, voire même constituer des cas d'usage. Nous avons fait aussi des tests usagers très en amont, dès le printemps dernier. On a réuni des panels d'usagers pour voir comment ils réagissaient au système. D'ailleurs, ça aboutit à refondre une partie du design, même du logo, qui n'est pas encore en place. C'est fait partie du retour d'expérience. Donc, on va chercher encore plus à simplifier, à rendre le système encore plus design. C'est en cours. Voilà. Qui peut utiliser France Connect ? C'est réservé aux collectivités et à l'État ? Excusez-moi, je vais utiliser le micro à cause des caméras, parce que sinon les auditeurs ne nous entendent pas. Pas de problème.
Donc Olivier Busnel, quand la maire, je voulais savoir qui pouvait utiliser France Connect. Donc les collectivités et l'État seulement, ou des entreprises, des banques ou... Alors, c'est publié au journal officiel au travers d'un arrêté du, j'ai plus la date exacte, du 20 juillet dernier. Donc, tout acteur apte à délivrer un service public peut utiliser France Connect. Donc, ça veut dire tout secteur État, collectivité, secteur hospitalier, etc., tous les opérateurs. Mais par extension, également, tous ceux qui contribuent, quelque part, au service public, à des obligations publiques. Donc à partir du moment où vous avez l'obligation d'avoir un compte bancaire, par exemple, ou une assurance pour assurer votre véhicule, ça veut dire que les banques et les assurances, par exemple, peuvent adopter France Connect. Alors après, il y a des avis juridiques qui évoluent. Néanmoins, ce n'est pas ouvert au secteur privé aujourd'hui. Donc nous sommes en train de préparer les textes, de faire valider politiquement l'ouverture, on y travaille, pour que tout acteur économique français puisse utiliser France Connect. Mais là, je réserve aujourd'hui, je le mets en perspective, je pense que c'est les autorités de l'État, politiques de l'État, qui se chargeront de le confirmer dans les semaines ou mois qui viennent. Une autre question ? Oui, bonjour, Jacques Favier, Le Cercle du Coin. Vous avez dit que ça devait être ouvert à nos amis européens. Et parmi les Européens, il y a un pays dont on a beaucoup parlé pour des problèmes d'identité électronique, qui est l'Estonie, qui me semble fonctionner sur un système différent, c'est-à-dire que vous possédez véritablement une carte avec clé USB, et que donc, à la limite, on doit pouvoir justifier son identité en peer-to-peer, et pas seulement vis-à-vis d'une administration. Comment est-ce que ça s'articule, votre démarche, enfin la démarche française, et puis une démarche comme celle de l'Estonie? En fait, la manière de répondre à ces enjeux d'identification et d'authentification, parce qu'il faut distinguer, mais Laurent l'a fait tout à l'heure, entre l'identification et l'identification, il y a plusieurs manières de répondre à ce besoin. Et à l'échelle de l'Union européenne, on se rend compte que, selon l'histoire, les pays n'adoptent pas la même démarche. De fait, des pays comme l'Estonie, mais vous pourriez citer la Belgique, le Portugal également, qui ont plutôt adopté une carte d'identité électronique, si vous voulez, avec une puce, se sont dit, pour l'accès à une puce ou à un support de type clé USB, se sont dit, je vais utiliser ce support-là pour faciliter l'identification numérique des citoyens. Bah, déjà en France, le fait d'avoir une carte d'identité électronique avait été refusé et rejeté par le Conseil constitutionnel. Voilà. Le fait d'avoir un identifiant unique, également. Donc, en tout cas, la CNIL s'y est toujours opposée. Donc, quand vous êtes confronté à ce genre d'impossibilité, ce n'est pas du tout un jugement de valeur, il faut trouver d'autres solutions. Je prends un autre exemple. Les Anglais, ce n'est même pas le fait de faire une carte d'identité électronique, c'est qu'il n'y a pas de carte d'identité, du coup, du tout. Donc, ils ont encore moins un référentiel d'état civil de type RNIPP comme on a en France. C'est pareil aux États-Unis, parce que là, je sors du milieu européen. Donc tout ça veut dire que dans ce cas-là, la seule solution possible, c'est la fédération d'identité, de fournisseurs d'identité qui existe. C'est ce que nous avons choisi, ce que d'autres pays européens ont choisi, c'est ce que les Anglais ont choisi, notamment, c'est un mécanisme similaire, et c'est ce que les Américains préparent également. En plus, il faut faire attention en termes d'usage. L'important du service numérique, c'est aussi son accessibilité à tous, donc sa simplicité. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de design dans le service numérique. Mais son accessibilité, j'en profite aussi pour le dire, pour des personnes qui ont parfois qui sont victimes d'handicap. Mon service, au sein de la DINZIC, est en charge aussi du référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Il est à respecter, les collectivités. Vous avez un guide complet, il y a des librairies qui existent. Si la vidéo qu'on vous a présentée est sous-titrée, c'est qu'on respecte le RG2A. Alors si je dis ça, c'est qu'il faut faciliter l'accès numérique et simplifier, mais ça veut dire qu'il ne faut pas forcément avoir des moyens d'authentification physique compliqués à manipuler en permanence. Vous savez, si la DGFiP demandait pour payer les amendes qu'il faut s'identifier, il y aurait 3 ou 4 fois moins d'amendes payées en ligne. Aujourd'hui, pour payer une amende, il suffit juste de rentrer un moyen de paiement. C'est super simple. Hein. Et c'est super simple. Il y a des services, il n'y a même pas besoin d'être identifié.
Et il y en a d'autres, il y a besoin d'être authentifié avec un niveau de confiance variable. Alors IDAS a normalisé ça, simple, substantiel, élevé. Voilà. De temps en temps, c'est un simple logging mot de passe. De temps en temps, il faut un certificat supplémentaire. De temps en temps, il faut un deuxième facteur, ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Avec France Connect, on autorise des moyens d'identification et d'authentification qui vont du simple au substantiel, à l'élevé. Et pour l'élevé, s'il y a besoin d'un moyen fort, en mettant une clé, on reconnaîtra la clé. C'est possible. Je sais pas si... Donc, on est ouvert à toutes les possibilités. J'ai été long, mais j'en ai profité pour réexpliquer un certain nombre de choses. De toute façon, Guillaume sera là quelques minutes après la table ronde, donc on pourra rentrer un peu plus dans le détail. Amélie Brun, vous êtes en charge de la modernisation sur le Calvados. Une remarque ? Une question sur... Ça marche ou pas ? Non. Si, c'est bon. J'avais une question par rapport, vous parliez des données qui sont en train de s'ouvrir sur les administrations centrales, qui est pour nous majeur pour que ça, on puisse le mettre en place et que ça bénéficie à nos citoyens. Donc, est-ce qu'il y a une feuille de route claire sur les administrations qui sont en train d'ouvrir leurs données et de les mettre à dispo de ce système ? Alors, dès qu'api.gouv.fr sera ouvert, vous aurez une réponse instantanée, déjà. Donc, ce n'est pas le cas, mais c'est bien pour ça qu'on le fait. Et d'ailleurs, dans api.gouv, vous aurez même les modalités d'usage, les contrats d'usage, et qui vous renverront vers les administrations qui, elles-mêmes, ouvrent ces API. Alors, en termes de feuille de route, sur tout le domaine entreprise, c'est déjà parti. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'au sein du SGMAP, on a fait des solutions comme marché public simplifié, aide publique simplifiée, et qui s'appuient sur des API, notamment qui, aujourd'hui, même par les taxes, sont devenues ouvertes. Vous savez, on vient de décider l'accès à Sirène, par exemple. C'est les textes, voilà. Donc, on est en plein dans l'open data. Mais là, on n'est pas dans les données confidentielles ou personnelles. Donc pour les données confidentielles ou personnelles, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut un mécanisme de privacy par design, c'est-à-dire de protection de la vie privée. C'est ce qu'apporte France Connect. Il y en a d'autres, hein, il n'y a pas que des mécanismes via France Connect qui le permettent, mais il en faut un. Donc aujourd'hui, maintenant que le mécanisme est éprouvé, il y a une feuille de route d'ouverture de ces API. La première, et d'ailleurs elle est financée au travers du plan d'investissement d'avenir, c'est celle de la DGFiP, pour les données de particuliers qui répondent à 80% des besoins. Donc celle-ci est en fabrication, elle va rentrer en test fin du printemps et elle devrait être ouverte officiellement début septembre. Je tiens à dire qu'on a constitué un groupe de travail avec d'ailleurs des collectivités dedans, mais on a restreint ce groupe de travail à ceux qui s'engageaient d'ouvrir réellement un service en septembre-octobre. Voilà, parce qu'on veut, on peut pas le faire pour tout le monde. Et il y en a d'autres sur la sphère sociale qui sont prévues, qui sont voilà. Il y en a d'autres qui sont prévues, et la feuille de route sera publiée et annoncée au moment de l'inauguration de France Connect. On va quitter France Connect parce que ces problématiques de simplification des accès des usages est quelque chose qui est bien antérieur à France Connect. Et peut-être, Eric, vous êtes donc à la métropole d'Amiens en charge notamment de toutes les problématiques de la billetterie des transports autour de la Fédération de la carte de transport. C'est des domaines qui sont assez très intéressants. Je vous laisse un peu la main, vous présenter un peu ce que vous faites et puis montrer qu'il y a d'autres initiatives aussi sur le plan local qui sont à disposition. Donc, je me présente Eric Lamins, je suis responsable marketing numérique au sein de l'agglomération d'Amiens Métropole. Déjà une première remarque par rapport au thème de l'identité numérique. La notion de marketing dans une collectivité venant du secteur marchand, ça peut paraître un peu paradoxal. Et comment je définis le marketing au sein d'une collectivité ? Je vais prendre un cas d'usage très simple. Je veux, et on l'a vu une démonstration tout à l'heure sur le guichet, sur la démo du guichet nantais. Je veux inscrire aujourd'hui mon enfant à la restauration scolaire à Amiens Métropole. Il faut que je me déplace en septembre, que je vienne avec un relevé d'imposition, que je vienne avec tout un tas de pièces, que je fasse la queue, et qu'on inscrive mon enfant. Aujourd'hui, grâce à France Connect, je pense qu'on peut s'éviter de toutes ces démarches et donc simplifier la vie des usagers, et particulièrement les cas les plus simples à gérer, quoi, les cas standards. Donc même si on gagne 10% ou 20% d'usagers en moins dans les accueils de nos mairies au mois de septembre, c'est déjà 10 ou 20% déjà de temps gagné.
Et ce temps gagné, il sert à quoi? Il sert à répondre aux cas d'usage qui sont les plus difficiles à traiter. Donc les personnes fragiles, les personnes qui n'ont pas accès à des portails ou à tout ce qu'on peut appeler à la fracture numérique, mais aussi aux gens qui sont dans des situations qui ne peuvent pas être traitées de façon standard. Je pense aux personnes divorcées, familles recomposées, enfants de différents mariages, et ça, n'importe quel outil, système d'information, ne sera pas capable de gérer ça sans une intervention aujourd'hui humaine. Donc, le marketing, tel que je le conçois, c'est vraiment faciliter la vie du usager dans les cas les plus standards, afin de gagner des gains de productivité au niveau des accueils de mairie, par exemple. Et aujourd'hui, les collectivités sont contraintes au niveau financier. Donc ça permet d'orienter l'action d'agents de la collectivité vers les cas les plus éloignés au niveau numérique, mais aussi les cas les plus fragiles. Alors pourquoi on est arrivé, au sein d'Amiens Métropole, à participer aux tables rondes de la SGMAP et de France Connect, puisqu'on veut créer, un portail usager. Et pourquoi on veut créer un portail usager? Pour que l'usager puisse, en créant un compte sur le site internet de l'agglo, puisse gérer ses services en s'identifiant une seule fois, puisse payer ses factures, puisse souscrire à un service. Et on est arrivé à cette problématique. Donc aujourd'hui, si on voit la collectivité ou les services de l'État fournissent tout un tas de services qui chaque service a un support différent. Et chaque service a un identifiant différent. La première chose qu'on a fait en 2009, c'est qu'on a réuni au sein d'une même application mobile des services ou des identifiants des services de même nature, à savoir tout ce qui était lié aux piscines, patinoires, zoos, salles de spectacle, tout ce qui était sportif, culturel ou même de loisirs, au sein d'une même application qui nous a été fournie par la société IREC, qui est GTS. Attends, j'ai un petit souci. Alors, pour que l'usager puisse utiliser ou avoir accès à ces différents services, on a demandé la création d'une carte, une carte de vie quotidienne, l'héritage de la carte de vie quotidienne de la fin des années 90, dans la perspective aussi à terme d'y adjoindre les services de transport. On y a collé à l'intérieur de cette carte le masque local de transport. Donc c'est une carte Calypso. La deuxième phase, c'est encore en 2013, on a voulu supprimer les cartes de bibliothèque et des cartes code à barre, mais qui étaient portées par un autre système d'information. Donc il a fallu, afin de relier les informations communes aux deux systèmes par rapport au support, créer au-dessus de ces deux systèmes d'information une plateforme de création, de génération et de gestion des détenteurs de cartes. Et par des web services, les comptes usagers sont créés dans les systèmes métiers à partir de cette plateforme. Donc toute la procédure de SAV se fait par rapport à cette plateforme, à savoir les oppositions, les annulations et toute la création des duplicata. Quelles sont les perspectives? C'est qu'on veut ouvrir d'autres services au support que nous avons mis en place, qui est la carte passe. Simplement, on s'est heurté en juillet 2013 avec la URU 030 émise par la CNIL, qui dit que à chaque famille de services, elle est identifiée 10 grandes familles de services, il faut des identifiants différents et qu'on ne peut pas, à partir d'un seul identifiant, retracer les usages que fait un usager sur un territoire. Donc on s'est retrouvé devant une problématique technique, c'est que notre carte passe, il n'y avait qu'un seul identifiant. Donc on a utilisé au départ pour la famille numéro 7, donc tout ce qui était accès aux piscines, aux patinoires, l'identifiant court Calypso, dans l'optique d'utiliser à terme ce même identifiant pour gérer les services de transport. Mais la URU 030 est arrivée, donc il va falloir faire évoluer notre carte passe. Nous adhérons aussi à une association qui s'appelle l'ADSET, qui a mis en place une norme, développé une norme avec des collectivités
territoriales et des industriels. Et Julien Marco vous en parlera plus que moi, puisqu'il est en train de tester ou de tester cette norme sur le territoire de Rennes, avec la carte Corrigo. Moi, je vais passer là-dessus. Voilà. Donc, j'attire aussi votre attention pour les collectivités sur l'article 2 du RU 030 qui dit qu'on peut quand même fédérer tout un tas de services, enfin l'usage de certains services en recueillant le consentement express et non équivoque de l'usager, afin de recréer un compte client dans un nouveau service, dans un autre service qui n'aurait pas été déclaré au départ. C'est-à-dire que si je vais à la piscine demain pour pouvoir souscrire un abonnement, on va créer une identité sur une plateforme. Mais si je me présente dans le transport à terme et que je me présente avec la carte, l'usager a le libre choix de dire « vous pouvez utiliser les données qui sont déjà sur cette plateforme pour créer le compte dans votre système d'information ». Ou alors je ne vous donne pas l'autorisation d'aller chercher les informations qui se trouvent dans cette plateforme, auquel cas il sera obligé de faire les démarches d'identification et d'authentification auprès de ce service puisqu'il n'aura pas donné le consentement à la récupération des données qui sont sur cette plateforme. On va créer un référentiel usager qui va se placer aussi du système de gestion unique de la carte, qui communiquera avec les sous-systèmes, introduira une nouvelle brute fonctionnelle et s'interfacera avec des systèmes de fédération d'identité de type France Connect et Art Déco. Il y a des schémas. Donc je ne vais pas vous représenter la présentation qui a été faite tout à l'heure, hein, entre la distinction entre les fournisseurs de services que nous sommes, les fournisseurs d'identité qui sont un.gouv.fr, impôt.gouv.fr et Amélie ou monservicepublic.fr, je crois, si j'ai bien résumé, les fournisseurs d'identité. Et les fournisseurs de données qui sont .gouv.fr pour le principal, enfin celui qui me vient en tête. Côté carte et support, donc le référentiel se trouvera au-dessus du système de gestion des supports. Et notre volonté, c'est qu'à terme, l'usager aura dans sa poche trois types de supports. Un téléphone portable, une carte bancaire et une carte de vie quotidienne. Nous souhaitons que cet usager puisse identifier n'importe lequel ou associer n'importe quel de ses supports à son compte usager et donc pouvoir avoir accès à ses services, quel que soit le support qu'il présentera. C'est-à-dire que si j'ai déclaré comme support ma carte bancaire ainsi que ma carte passe, si je vais à la piscine et que j'ai oublié ma carte passe, je peux utiliser ma carte bancaire et en back office, on ira... J'étais trop long, donc on a coupé le son. Comme aux Oscars. Donc, avec ma carte bancaire, je pourrai pénétrer en piscine et profiter de mon abonnement en piscine, puisqu'elle sera référencée comme un support. Comme un support. De la même façon, si j'ai enrôlé mon smartphone lié à mes services, je présente mon smartphone. C'est comme aux Oscars, c'est ça. Il y a la musique qui arrive et puis on va. Voilà, la volonté c'est de vraiment lier n'importe quel support que je pourrais à terme avoir dans ma poche, un téléphone, une carte bancaire ou ma carte passe à mon compte usager et donc pouvoir accéder à mes services, monter dans le bus. Si j'ai un abonnement de bus, si je présente ma carte bancaire au valideur, il ira chercher en back office parce qu'on n'est plus dans des systèmes offline. Aujourd'hui, on est dans des systèmes online, voire online asynchrone avec la 4G. Le valideur s'interfacera avec le back office et ira chercher l'abonnement qui sera associé. Donc, on a changé le paradigme, c'est-à-dire que même au niveau du transport, on n'est plus sur des abonnements sécurisés de type Calypso, mais qu'on va être sur une gestion en idée centrique. C'est-à-dire qu'un service, on va lier les identifiants diversifiés. Vous allez avoir un compte, à chaque compte, vous devrez être accroché à un certain nombre de choses que vous avez déclarées. À terme, ce qu'on veut faire aussi, c'est de pouvoir...
fédérer des tarifications. C'est-à-dire que si on prend que sur la famille de transport, je me gare au parc relais. J'utilise mon support. Je monte dans le bus, j'utilise mon support. Je prends un vélo, j'utilise mon support. À la fin de la journée, au lieu de cumuler les différentes tarifications, je proposerai une tarification globale. C'est le même schéma qu'on pourrait reproduire dans le transport. J'arrive de Paris, j'ai pas de support, j'ai pas de ticket. On va s'ouvrir aussi en open payment. J'utilise ma carte bancaire. À la fin de la journée, j'ai fait 5 voyages. On vous en offre un, vous serez débité de 4 voyages. La tarification à terme, ce qui serait possible, mais il y a des problématiques de régie, c'est j'utilise le bus, j'utilise le vélo, je vais à la piscine. S'il y avait une tarification intégrée, on pourrait proposer un tarif global comme on peut le proposer aujourd'hui dans certaines villes au niveau du tourisme. C'est quand ? Ça, c'est à long terme. On va y aller petit à petit. On est aidé par une AMO qui est portée par la société Nextendis. Et je leur ai demandé de phaser les étapes. On ne veut pas révolutionner tout parce que c'est le meilleur moyen d'aller à la catastrophe. On va déjà savoir faire ce qu'on veut. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'avant d'aller sur Mars, il faut d'abord aller sur la Lune. Une fois qu'on sera sur la Lune, on verra si on peut aller sur Mars. C'est comme ça que s'est fait la conquête spatiale. Pour terminer, j'ai une dernière présentation. Donc aujourd'hui, on est sur un bouquet de services porté par un support unique, un ensemble de téléservices simples, un ensemble de services en silo. Demain, on sera accessible via un portail unique, pouvant être porté par de multiples supports, et chaque support pouvant donner accès à un ensemble de services facturables par différents moyens de paiement. Alors, ce qui est intéressant, on le voit bien, c'est que ces services sont tout à fait complémentaires. C'est-à-dire que votre service va utiliser France Connect pour toute une série de procédures, par exemple, ou des choses comme ça. J'ai beaucoup axé mon intervention sur les supports, mais sur le slide précédent, vous voyez qu'en dessous, il y a des services qui n'ont pas de support, comme tout ce qui est demande de logement, tout ce qui est inscription aux listes électorales, tout ce qui est demande de rendez-vous. Voilà, sur la plateforme et sur mon compte usager, je pourrai avoir accès à des services qui ne sont pas actuellement portés par des supports. Donc là, on vient de parler de plateforme. En fait, on tourne autour de cette notion de plateforme qui est extrêmement importante. La plateforme, c'est votre turf, j'allais dire. Bonjour à tous, Amélie Brun, département du Calvados. Alors juste pour resituer un petit peu les choses sur le département, on a environ 690 000 habitants sur le territoire du Calvados, ce qui représente environ 3 500 agents. Et dans le Calvados, ça fait depuis longtemps qu'on s'intéresse à ces sujets et à la modernisation et à la transformation du service public. On a une élue à la modernisation que vous entendrez cet après-midi, Véronique Mémo. Et il y a une direction du coup qui a été créée au regard de toutes ces choses-là pour aider à transformer tout ça en profondeur de l'intérieur, parce qu'il s'agit bien de ça aussi. Si on veut offrir un meilleur service aux citoyens, il faut que l'administration se modernise. Et je dirais qu'on en est encore là aujourd'hui. C'est vrai que c'est intéressant toutes ces choses de plateforme. Moi, j'ai des problèmes beaucoup plus quotidiens et concrets sur comment on emmène les agents à accueillir autrement le citoyen et comment finalement l'Internet, qui demain sera le principal vecteur d'accès à nos services publics, est complètement intégré par tous nos agents. Donc il y a un travail de fond énorme. Pour revenir sur comment nous on avance au quotidien, c'est vrai que contrairement à une ville, moi j'ai travaillé longtemps sur ces sujets dans une commune. Une commune, quand on rend un service public, notre citoyen, notre habitant, finalement il s'adresse plein de fois à nous. Il s'adresse à nous pour l'école, il s'adresse à nous pour tout un tas de sujets. Quand un citoyen s'adresse au département, en général, il s'y adresse pour une chose bien précise. Nous, on agit sur des sujets que sont les collèges, les transports, enfin les transports non, plus maintenant les routes, et surtout le gros volet sur le social. Et c'est pour ça que je vous interrogeais un petit peu, parce que nous, on attend avec impatience qu'on puisse échanger plus facilement des données avec la CAF, avec l'URSSAF, avec Pôle emploi. Donc c'est des choses qu'on va suivre attentivement. Donc notre citoyen, quand il arrive dans le département, finalement, il s'adresse à nous pour une chose bien précise. Il ne sera pas forcément amené à revenir.
Donc en réalité, cette question de l'identification, si on part de ça, de l'identité numérique, elle est peut-être moins prégnante pour quelqu'un qui s'adresse à un département que quelqu'un qui s'adresse à une commune et qui va être dans la récurrence. Néanmoins, c'est des sujets qui nous passionnent puisque nous, on a plus tendance à dire qu'effectivement, on veut aller vers une administration sans couture. C'est un petit peu le thème à la mode en ce moment. Et que si on veut, enfin, finalement, notre usager, notre citoyen du Calvados, il est aussi citoyen de la commune de Fleury, par exemple, et il est aussi, il déclare aussi ses impôts. Il a aussi des problèmes avec son permis de conduire. Donc, comment on en arrive là et comment on repense les choses complètement différemment pour cette administration sans couture, ce qui n'est pas sans poser d'autres problèmes, puisque finalement, on veut tous que la porte d'entrée du citoyen, ce soit malgré tout notre échelon, quid du département, de la région, de la ville, puisque finalement, quand ils viennent chercher chez nous du service, on en profite aussi pour leur donner tout un tas d'informations sur la vie de notre territoire. Donc, comment est-ce qu'on arrive, à travers France Connect, à garder quand même une identité par rapport à ça ? Donc nous, évidemment qu'on s'investit beaucoup, et là, vous me faites rêver, en fait, clairement. Je pense qu'il y a encore du chemin pour que nous, collectivités, on puisse intégrer ça, mais c'est très bien que vous ayez pu proposer les outils qui vont bien. Et nous, on investit même du temps homme sur France Connect. Alors, pas France Connect usager, mais France Connect agent, puisque, en fait, ça se décline, je ne vais peut-être pas détailler ici, mais cette problématique de l'authentification, elle est aussi sur l'agent. Et aussi sur l'élu. En fait, en réalité, l'identité numérique telle qu'on l'aperçoit, nous, c'est l'identité de nos agents, de nos élus et des citoyens. Vous voulez dire deux mots sur France Connect Agent ? Deux mots, mais je serais intéressé à avoir le feedback de la marraine de ces assises, Anne Le Dirac, justement sur la problématique d'implémentation et des élus. Mais peut-être, Guillaume, juste deux mots ? D'accord, ok. Oui, tout simplement, parce que c'est officiel maintenant, puisque c'est un projet qui est soutenu par les plans d'investissement d'avenir, et ça vient d'être notifié. Donc on a lancé une déclinaison particulière de France Connect, qui vient d'être un peu citée, oui. Son nom actuel, c'est France Connect Agent. En fait, c'est d'utiliser la même technologie, enfin France Connect, pour offrir un moyen d'identification simplifié et unifié pour les agents et les élus de l'ensemble des collectivités, notamment dans leur relation avec l'État, mais dans leur relation entre elles-mêmes. On a souvent été sollicité par les élus, notamment par des questions parlementaires sur le fait que l'État était siloté. Et on va désiloter l'État, en tout cas, dans l'identification des élus et des agents dans la relation entre eux et avec nous. Voilà. Donc c'est un projet qui s'appelle France Connect Agent. Du coup, voilà, juste pour dire que nous, il y a le citoyen, mais il y a aussi l'agent et il y a l'élu. Et on a aussi sur notre territoire des entreprises qui travaillent avec nous. On a les associations, les communes. Donc comment tous ces gens-là, toute leur identité numérique, on arrive à la traiter en même temps, dans la même dynamique. Donc au-delà de ça, effectivement, il a fallu avancer avant d'avoir France Connect. Donc nous aussi, on a mis en place des comptes. Nous aussi, on a mis en place des choses comme ça qui restent insatisfaisants aujourd'hui parce qu'on ne répond pas clairement à la demande du citoyen, mais il a fallu avancer. Sur l'authentification, nous, on pense effectivement qu'il n'y a pas besoin d'aller très très loin dans l'authentification, et EIDAS va nous aider. Encore une fois, ça reste encore assez obscur pour nos administrations, tous ces décrets qui tombent de l'Europe et qu'on a du mal, nous, à intégrer. Mais en tout cas, tout ça, c'est intégré dans notre réflexion. Néanmoins, j'attire votre attention sur trois sujets qui sont au cœur de nos préoccupations dans Calvados. C'est, on en a parlé en introduction, l'accès à Internet sur le territoire, au sens large. Moi qui viens de région parisienne, je suis souvent étonnée de voir que sur les territoires ruraux, il y a des gens qui n'ont pas accès à Internet. Donc voilà, ça c'est une problématique importante. Nous, on agit à deux niveaux. On agit avec la construction d'un réseau d'initiatives publiques sur l'ensemble du territoire pour permettre l'accès au très haut débit pour tous. Et on agit avec des maisons de services au public qui vont aider les gens. Nous, effectivement, nos clients, entre guillemets, c'est beaucoup des gens qui viennent chercher des aides sociales. Et donc, comment est-ce qu'on les accompagne aussi ? C'est-à-dire que c'est très bien de faire de la fédération d'identité, mais comment est-ce qu'on fait de la médiation par rapport à ces gens-là ? Donc ça, c'est un sujet qui accompagne complètement toutes nos réflexions. Le deuxième, je vous le disais, c'est vraiment comment on modernise en profondeur nos pratiques. Avant d'avoir France Connect, c'est vrai que nous, on est parti sur un parti pris de dire on va demander le moins de pièces justificatives possibles aux gens. On va leur demander de nous apporter de l'information, de la donnée.
J'ai encore des agents, même si on a dit, le département a dit, il n'y a plus besoin de fournir une pièce. Donc l'usager, il fournit une information, hein, exemple son revenu fiscal de référence. J'ai des agents qui vont quand même demander la pièce à l'usager pour être sûr. Voyez, donc il y a un travail de fond à faire parce qu'on est dans une période de transition où les jeunes générations ne sont pas encore agents publics, ceux qui sont habitués à ça et qui sont complètement en cette dynamique, et qu'il faut qu'on embarque tout le monde là-dedans. Donc pour nous, c'est, on a à cœur ça et à cœur de donner confiance aux gens parce qu'effectivement, même s'il y a des systèmes où on dit est-ce qu'on autorise l'administration à donner mes données fiscales, etc., je ne suis pas sûre que la confiance aujourd'hui soit complètement établie entre le citoyen et l'agent public qui va traiter cette demande. C'est-à-dire qu'on a peut-être confiance, on se dit le système, mais finalement, il va se balader où mon revenu fiscal de référence? Et vous me direz, c'est pareil, quand j'amenais ma photocopie, finalement, je ne savais pas où se baladait ma photocopie. Voilà. Donc, l'accès Internet sur le territoire, la modernisation en profondeur de nos pratiques, de notre administration, déjà en interne, comment on supprime les signatures au maximum, EIDAS va nous aider, comment on réduit les circuits de décision, comment on arrête de faire circuler du papier à outrance dans la collectivité, comment on supprime les tâches qu'on appelle NVA, de non-valeur ajoutée. Il y en a beaucoup. Et tout ça permettra de gagner en confiance et en temps pour que nos agents puissent prendre la mesure de ce que c'est demain l'administration numérique. Et juste pour finir, réflexion sur l'accueil. On sait qu'aujourd'hui, il y a une multitude de canaux pour accueillir le citoyen, physique, électronique, etc. Demain, on sait tous qu'avec les nouvelles générations, le principal vecteur, c'est l'Internet, les smartphones, etc. Comment est-ce qu'on transforme en profondeur notre façon d'adresser les choses? Et c'est là où l'administration sans couture intervient. Est-ce qu'on, finalement, on reste sur des portails un peu institutionnels ou quid de mon département, etc. Ou est-ce qu'on accepte tous de dire, mais non, finalement, on va extraire chaque service public et on va l'intégrer à une plateforme peut-être plus nationale ou globale pour, dans un objectif simple, hein, c'est le service public, le citoyen avant tout. Voilà. L'App Store du citoyen. Quoi. Voilà, et pourquoi pas? Je vais peut-être juste me tourner vers la salle. Quelques remarques, questions, opinions? J'avais juste une question pour Amien sur le prix du billet pour la Lune par usager. Pas de prix encore. Voilà, on a parlé hier, enfin on a discuté avec des interlocuteurs sur combien ça va coûter pour la collectivité, c'est ça, hein. On est aux alentours du million là pour l'instant. Au final, hein. C'est-à-dire qu'on va pas investir un million tout de suite, hein, mais je pense qu'on est aux alentours du million quand ça sera tout finalisé. Alors là, on touche des questions intéressantes qui sont celles de la mutualisation. C'est-à-dire qu'une infrastructure comme ça sert pour Amiens, mais elle pourrait servir à d'autres collectivités à terme. Donc c'est un autre mode de mise à disposition. On a 33 communes, 180 000 habitants. Mais bon, c'est un investissement. Aujourd'hui, un zoo à rénover, ça coûte 50 millions. Hein, donc... Il faut choisir les chimpanzés ou les... Anne, comme je le disais, vous êtes à l'origine de ces assises. En même temps, vous êtes surtout les lieux locaux au numérique, notamment de la ville de Vannes. Vous avez suivi ces préoccupations. Comment est-ce que vous réagissez par rapport à tout ce qui s'est dit jusqu'à présent? Je réagis en tant qu'élu. Donc je réagis en disant que c'est passionnant ce que j'entends, que c'est un discours idéal, pratique, technique, technologique. Ça fait rêver, j'ai entendu. Ça coûte très cher. C'est prêt. Sauf que la réaction que j'ai, comme ça, spontanément, et je vais développer mon propos, c'est que nous, élus, on n'est pas prêts. On n'est pas prêt. Et vous voyez, il y a l'évolution même de mon discours par rapport aux assises, les premières assises. C'était il y a moins d'un an. Entre ce que j'ai dit à Vannes il y a moins d'un an et ce que je dis à Fleury-sur-Orne aujourd'hui, il y a une évolution et qui ne va pas dans le bon sens, a priori. Donc, là, j'entends un discours idéal. Nous, collectivité territoriale, et quand je dis collectivité territoriale, je parle de mon niveau, c'est-à-dire c'est une mairie, hein, c'est une commune. Ce n'est pas une agglomération, ce n'est pas un département, ce n'est pas la région Bretagne. Donc c'est vraiment le
contact quotidien qu'a le citoyen avec la collectivité, c'est-à-dire la mairie. On nous pousse, je l'avais déjà dit à Lille la dernière fois, à la modernisation de l'administration. Nous faisons, nous, collectivités territoriales, partie des administrations françaises, et je trouve que c'est une bonne chose. Et on y adhère totalement. Nous, à la ville de Vannes, on adhère totalement à cette volonté de moderniser au plus vite les services aux citoyens, et ça passe par la dématérialisation. Je milite pour le tout dématérialisé, avec une volonté politique qui est celle du maire de Vannes, qui pense effectivement que plus nous dématérialiserons, plus nous nous concentrerons sur nos métiers, qu'on libérera du temps aux agents pour faire leur cœur de métier. Et puis, sans langue de bois, la dématérialisation, même si c'est un investissement, on le voit, financier, c'est du court terme, du moyen terme. On sait qu'à long terme, c'est une économie financière. Donc on a de moins en moins d'argent et on doit gérer de mieux en mieux. On a des arbitrages à faire. Je ne crois pas, en ce qui concerne la ville de Vannes, par exemple, que le maire choisira de ne pas moderniser le réseau de sa ville, la route, les arrêts de bus, même si c'est en lien avec l'agglomération du pays de Vannes, l'accessibilité, au profit d'un système qui permettra le tout dématérialisé sur la ville de Vannes. Je peux déjà vous dire que la réponse, elle est non. Le maire privilégiera l'accessibilité, une route ou des enrobés mieux sur certains quartiers. Voilà. Donc ça, c'est une réalité. On a des arbitrages en permanence à faire. Donc déjà, on part, nous, les élus au numérique, les gens qui s'engageons sur le dématérialisé, c'est un travail de longue haleine. On l'a commencé déjà il y a des mois avec Florence à Ville Internet. On en parle de plus en plus, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas faire d'angélisme. C'est du militantisme. On commence de zéro. Donc qu'on travaille en ce moment sur les moyens. Parce que ça, ce sont les moyens, tout ce que j'entends. C'est une bonne chose et il faut le faire. Comme dans les années 2000, on n'avait pas d'accès, tous les foyers, tous les espaces publics n'avaient pas forcément accès au numérique. On a vraiment travaillé en France dans ce sens-là et on est allé très vite. Et je trouve qu'au niveau des infrastructures, même au niveau du très haut débit, on peut se féliciter de ce qui a été fait en France parce qu'on avait vraiment du retard. Maintenant, il y a les usages, effectivement, et la dématérialisation des services. Alors, au niveau des freins, je ne veux pas casser l'ambiance, je veux juste vous dire qu'en tant qu'élu, on a des responsabilités. La première, elle est pénale, elle est celle du maire, notamment sur les identités numériques. Quand un citoyen nous confie à la ville de Vannes ses identités, ses informations, ses données personnelles, il les confie quasiment en main propre au maire de la ville de Vannes. Et le maire de la ville de Vannes a une responsabilité pénale si on n'est pas en mesure, un, de protéger ses informations et du coup, en même temps, de protéger nous, nos systèmes d'information. Donc on a un double travail, une double réflexion à faire sur comment conserver la confidentialité des données qu'on nous confie et en même temps, comment nous protéger nos systèmes. Ça aussi, c'est un investissement. Je vous parlerai souvent d'argent parce qu'en fait, les élus aujourd'hui, c'est des businessmen. On est obligé de gérer, de tenir compte de ça. Et donc, toute décision politique est forcément orientée en fonction des choix également budgétaires qu'on fait. Donc c'est désagréable, mais il faut le faire. Enfin, on est responsable, on a évolué aussi, on est un petit peu plus conscient des enjeux. Donc les résistances, elles sont, ou les freins, c'est déjà celui-là. C'est une volonté politique, des arbitrages, des choix politiques. Ça se fait, même si on le souhaite, ça pourrait se faire très vite, mais c'est au détriment d'autres choses dans une ville. Après, c'est un choix. Il y a également un autre frein, c'est un frein que tout le monde connaît, c'est pas spécialement dans les collectivités, c'est dans les entreprises, c'est les Français en général, c'est la résistance au changement. La résistance au changement, donc moi en tant qu'élu au numérique de la ville de Vannes, je le vois, et la DSI est là à ma campagne aujourd'hui, on essaie de se déplacer en binôme parce que c'est toujours intéressant d'avoir ce binôme élu-agent. Ça permet d'être en phase sur les discours. C'est que s'il y a de la résistance au changement au niveau des agents d'une collectivité, donc là je parle d'une ville de 58 000 habitants qui a 5 arrobases, qui est réputée en France pour être numérique, et Florence ne me contredira pas, une forte volonté politique, on a également une résistance au changement de la part des élus. Et c'est notamment dû au fonctionnement en silo qu'on est en train d'essayer de transformer.
par différentes astuces, c'est que travaillant en silo, l'adjoint à la jeunesse n'a pas forcément, ou je dis à la jeunesse, mais ça peut être aux associations, aux routes, n'a pas forcément envie de s'intéresser au sujet numérique parce que c'est mon sujet et que lui s'occupe des routes. On est en train aussi, du coup, enfin, David Drobeau, le maire de Vannes, a changé du coup la gouvernance et la position de la DSI du numérique dans l'organigramme général de la ville de Vannes. En fait, ce que je vous dis là, c'est des aspects culturels. Hein. On est en train d'essayer de changer la culture. C'est de ne plus considérer la DSI comme une direction, comme une autre. C'est de la lier directement à la direction générale. On devient un service, une direction ressources. C'est-à-dire qu'on considère que tout sujet, jeunesse, association, petite enfance, sport, travaux, handicap, c'est un sujet qui concerne la DSI, puisque c'est un sujet qui peut devenir transversal par les moyens qu'on va devoir mettre en œuvre pour permettre à la direction qui porte un projet sur le handicap, sur une route, d'intégrer l'aspect numérique dans son projet. Donc déjà, ça change complètement la culture. Et j'en parlais avec Muriel Rimbaud, la DSI, dans la voiture en venant de Vannes ce matin. On commence à voir des adjoints de la ville de Vannes qui ne sont pas en charge du numérique, quand ils présentent leur projet, intégrer le fait qu'ils auront besoin de la DSI pour mettre en œuvre un certain nombre de projets. Donc il y a aussi donc, une résistance culturelle. Ça prend finalement le plus de temps. C'est ce qui prend le plus de temps. Le temps technique est relativement court, parce qu'à partir du moment où on décide, ça peut être fait. Par contre, habituer ou former les gens, faire de la pédagogie, notamment les agents, pour qu'ils n'aient pas l'impression qu'on leur enlève leur travail ou qu'on s'immisce dans leur façon de faire, ça demande beaucoup de temps. Ça demande de rassurer, ça demande aussi de les impliquer, c'est-à-dire quand on monte des groupes de pilotage, il faut que les agents qui vont être amenés à changer leur mode de travail, eh ben, ils soient convaincus. Parce que s'ils ne sont pas convaincus, ça va prendre beaucoup plus de temps et on n'arrivera pas à l'objectif, ce qui est quand même ennuyeux. Ensuite, comme je disais, il faut également, en même temps qu'on travaille sur les usages et la dématérialisation, la création d'une identité numérique, et moi j'en rêve, je rêve que chaque citoyen ait quasiment un gen code, excusez-moi, c'est un peu brutal ce que je dis, mais c'est volontairement imagé, c'est que pour tous les services ou les liens qu'ils pourraient avoir avec la ville de Vannes, on n'y est pas du tout, mais en parallèle de cette identité numérique du citoyen qui est fait, je vous rappelle, pour simplifier la vie de l'usager. C'est la finalité qui nous intéresse. S'il y avait une résistance également du citoyen qui dit « non, je ne veux pas d'identité, non, je ne veux pas », on n'irait pas sur ce chemin-là. Il y a une pression aussi du citoyen qui veut qu'on agisse sur ce domaine-là. Eh bien, c'est aussi en parallèle de travailler, nous, les collectivités, et là, c'est toutes les collectivités, pas seulement les communes, sur la protection des données personnelles. Et ça, c'est également beaucoup de temps en humain, en culture aussi, et c'est un investissement qui n'est pas anodin, puisque ça nécessite une expertise, et puis c'est un coût pour les collectivités. Et puis je dirais, pour expliquer pourquoi au début, volontairement, je disais, ben, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu, on ralentit un petit peu les choses par rapport à il y a un an, même si on le souhaite, c'est qu'aussi on vit en France une profonde mutation des compétences attribuées aux différentes collectivités. Pourquoi voulez-vous que moi, Ville de Vannes, avec mes collègues, la municipalité, on investisse finalement sur des usages dématérialisés si dans quelques mois toutes ces compétences seront par exemple attribuées à l'agglomération du pays de Vannes. Donc vous voyez, on est dans des mutations d'organisation des territoires qui fait que, un, on n'a peut-être pas l'argent, ça va demander un petit peu de temps. Et en plus, il y a une réattribution des compétences qui fait que, bon, c'est peut-être pas non plus perçu comme une priorité là tout de suite, parce qu'on sait bien que c'est Van Aglo qui va récupérer ça dans un an ou deux. Donc vous voyez, il y a aussi cet aspect du changement des répartitions et des compétences dont on a la responsabilité aussi de se poser la question. Et puis enfin, j'aurais là, et ça c'est une question que j'aurais aimé poser à monsieur Placé, mais bon, vous êtes le représentant de l'État, monsieur, quand même, donc je vous le dis. Si ça pouvait être transmis et également, ça c'est une de nos préoccupations. On lutte et nous sommes aux premières lignes, nous, les collectivités, notamment les mairies, pour limiter la fracture numérique. Les espaces publics numériques, c'est les mairies.
Donc on estime, nous, à Vannes, à peu près 15% d'un public fragile qui risque d'être un petit peu, que passer à côté de cette révolution silencieuse. Et ce, d'autant plus qu'on lui demande dorénavant de faire de plus en plus de démarches en ligne. Alors moi, j'ai quand même une question à l'État, et ça pourrait faire l'objet d'un autre débat. C'est, est-ce que l'État a pensé aux mairies, aux collectivités, aux communes, justement, dans le traitement, dans la gestion de ces personnes, de ces 15%, 10%? Parce que le premier lieu où ces personnes fragiles ou qui subissent la fracture numérique viendront, c'est vers la mairie. Or, nous, on ne pourra pas gérer. On n'aura pas les finances, on n'aura pas les moyens humains de gérer toutes ces personnes qui ne sauront pas faire leur démarche pour Pôle emploi, pour la CAF, pour les impôts. Donc comment l'État compte gérer aussi alors c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de pédagogie, parce que ce sont des gens encore qui demandent de l'accompagnement. Donc là, je rejoins ce que disait mon collègue tout à l'heure à l'introduction, le vice-président en charge du numérique de Caen-la-Mer, c'est cette fracture sociale. Est-ce que vous en tenez compte et comment comptez-vous accompagner les collectivités? Parce que nous, c'est un des sujets qu'on a en ce moment à la ville de Vannes. Est-ce que c'est notre compétence? Est-ce que c'est à nous, finalement, d'accompagner toutes ces personnes sur, finalement, des sujets dont se désengagent les administrations françaises, l'accueil du public? Je crois que ça rejoint un peu ce que vous disiez par rapport à la productivité et ce qu'on peut faire. Ah, une question à la salle, excusez-moi. Merci. Véronique Mémot, je suis conseillère départementale, élue référente sur le numérique. Je voudrais revenir sur ce que disait Amélie et sur le problème que vous venez de soulever. L'État actuellement, en collaboration avec la Poste, qui a besoin de se restructurer, tout le monde le sait. Alors, ce que je vais vous dire, c'est un panorama en milieu rural, hein, plutôt. L'État est donc en train un grand programme de création de maisons de services au public qui devrait regrouper à la fois les services de la Poste, les services de la sécurité sociale, des caisses d'allocation familiale, de Pôle emploi, de la MSA également. Et c'est, alors, pour l'instant, le département du Calvados est très bien maillé puisque nous avions un petit peu anticipé. On a toute une série de points Info 14. Ces points Info 14 sont distants à un maximum de 20 km. Généralement dans les villes un petit peu centres, ou les anciens chefs-lieux de canton, ou des villes un petit peu plus importantes. Et on trouve dans ces points Info 14, qui deviendront donc des maisons de service au public dans les autres départements, on trouve tout. On trouve également de l'accueil, on trouve des conseils, des personnes qui sont habilitées à recevoir un public un peu vieillissant, un public qui est complètement en dehors de tout ce qui est progrès numérique. Et ils ont beaucoup de bienveillance d'ailleurs pour cette population. Et on constate que ces lieux, ces points Info 14 sont très très fréquentés puisqu'on peut y faire toutes les démarches. Et les démarches évidemment par informatique, par numérique sont fait par le personnel. Donc le but, c'est de créer à terme, je crois jusqu'en fin 2016, 500 maisons d'accueil au public. Et la Poste, avec l'aide des départements, bien sûr, crée des réunions très très régulières où on essaie de localiser quels sont les points blancs qui ne sont pas du tout desservis, où il n'y a pas de proximité. Alors là où je pourrais vous rejoindre pour France Connect, ce qui serait intéressant évidemment, c'est pour cette population d'avoir des connexions qui puissent se faire très très rapidement pour que le personnel qui est dans ces maisons de service au public puisse recevoir davantage de personnes et pas passer beaucoup trop de temps à identifier tous les intervenants, enfin toutes les personnes qui se présentent. Juste deux minutes pour revenir sur ce que vous disiez sur la CAF, Pôle emploi. Non seulement, effectivement, ça a été fait d'une façon où on a privilégié l'administration électronique au détriment de l'accueil physique. Et nous, en fait, c'est un impact super négatif parce qu'effectivement, on récupère tout le monde dans nos circonscriptions d'action sociale et ça repose la question du travailleur social sur les territoires. Nous, c'est vraiment des questions qu'on se pose aussi. Mais en plus, les agents disent... Ah non, mais moi, je viens pas me parler de modernisation. Si c'est pour faire comme la CAF ou Pôle emploi, il en est hors de question. Je veux pas traiter comme ça
mes citoyens, mes usagers. Donc, c'est là où je dis qu'effectivement, il faut y aller tranquillement, pas à pas. Avant la Lune, il y a peut-être aussi d'autres étapes. Et surtout, le faire bien. Parce que quand vous appelez la CAF, que vous n'arrivez à avoir personne, qu'au final, et là, je ne parle pas des situations normales. Situation normale, effectivement, situation standard, c'est assez simple à gérer. Dès que vous avez une petite question ou un cas un peu complexe, il faut en fait... moi, j'étais confrontée à ça il n'y a pas longtemps. Il vous envoie un courrier. Donc 15 jours pour recevoir le courrier, ça vous donne un code. Et grâce à ce code seulement, vous pouvez avoir accès au standard téléphonique et obtenir une réponse. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment tout ce que nous, on ne souhaite pas faire dans le Calvados. Et voilà, peut-être que dans 10 ans, ce sera parfait, tout le monde se débrouillera bien avec ça. Mais aujourd'hui, comment on fait pour gérer les différents canaux de communication et de service au public ? Alors, si je peux me permettre une remarque personnelle, il me semble que ce que j'ai entendu, c'est en quoi la fluidification, finalement, du gros des échanges peut être facilitée par la mise en place de ce genre de moyens pour justement libérer des ressources pour les publics, qui sont les publics qui ont besoin d'être épaulés. Et c'est peut-être en ça qu'il y a une bonne synergie et que ces moyens peuvent être utilisés rapidement. Oui, je ne vais pas me permettre de répondre au nom de l'État, parce que même si je représente l'État là, mais je vais répondre sur la partie numérique quand même. Oui, il y a une vraie évolution culturelle aussi bien des agents. On en est parfaitement conscient. Et c'est d'ailleurs pour ça que, même si on présente des outils, puisque France Connect, c'est qu'un outil au bout du compte, ce qui va primer, c'est l'usage qui va en être fait. Et en fait, nous, quand on dit quand est-ce que France Connect, par exemple, on considérera que ça sera un succès. Ce n'est pas du tout qu'il existe sur une étagère et qu'il marche très bien, qu'il soit performant. C'est le jour où les Français en auront le réflexe, ou que ceux qui délivrent un service public en auront le réflexe. Donc, voilà, c'est la première chose. Donc, le chemin va être long. C'est une première chose. Et derrière, je sais pas, moi, j'aime pas parler de frein au changement. C'est plus une évolution culturelle, si vous voulez. Et il y a une phase de pédagogie. Mais néanmoins, sur la problématique de l'accessibilité, je vais creuser un petit peu plus. Parce que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, en fait, sans rentrer dans le détail. La première chose, c'est, je vais vous citer ce qu'on a nous constaté dans les relations avec les usagers. Ça a été évoqué à gauche. Aujourd'hui, quand on va remettre un justificatif, par exemple, on remet tout son avis d'imposition fiscale. Ça paraît normal d'aller voir un agent au guichet qui n'a juste besoin soit que du quotient familial ou du nombre de parts. On va lui remettre en toute confiance une photocopie complète de son avis d'imposition et on va dévoiler au travers de ça toute notre vie personnelle, patrimoniale et familiale. Quand je parlais d'autodétermination informationnelle, ce qu'on dit, c'est qu'on veut protéger même les gens de ça, quelque part, ou en tout cas leur donner la possibilité. On dit ça, et puis quand on prend les mêmes usagers, quand on leur dit, tiens, on va juste vous demander d'autoriser le transfert du revenu fiscal de référence, c'est-à-dire on ne prend que l'information utile, on en a 4 sur 10 qui, en premier regard, disent non. Les mêmes. On a fait les tests usagers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une vraie phase d'éducation et de pédagogie de nous tous, citoyens. Et on a un rôle là-dessus. Parce qu'on a beaucoup de citoyens, enfin, moi, j'ai 4 grands-enfants sont nés avec Facebook, Twitter, qui ne se posent pas ce genre de questions et qui ne sont pas du tout protégés. Et il y a un problème de confiance. Moi, je suis surpris de voir que beaucoup d'entre nous, enfin, moi, je vois sur mes enfants qui n'hésitent pas à donner leurs informations à Facebook, Twitter, Google, et qui se posent la question de ne pas aller donner une information, de ne pas donner un accord à une mairie pour qu'elle récupère son revenu fiscal de référence, le revenu fiscal de référence, en allant chercher en toute sécurité à la Direction générale des finances publiques. Excusez-moi, il y a quand même quelque chose qui est surprenant. Donc, mais c'est à nous d'accompagner. Ben oui, mais c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Là. Donc, il y a une phase d'éducation, de changement culturel, d'éducation sur tout cet aspect-là. Après, il y a toute une déshérence sociale. Certains l'appellent fracture numérique, etc. Voilà. Je ne sais pas comment... La technologie apporte un certain nombre de choses. Mais ce que je voudrais évoquer, c'est qu'on a... Moi, j'ai reçu dans mon bureau, il y a peu de temps, plusieurs associations, soit d'élus, je ne dirais pas laquelle, mais aussi des associations tout court, d'aide aux personnes en difficulté, soit handicapées, et qui voulaient imaginer avec nous
comment, tout simplement, en lien avec France Connect, d'avoir une sorte de France Connect assistance sociale, excusez-moi, où l'usager pourrait choisir son référent ou son aide, soit qui pourrait agir pour son compte ou en accompagnement. Je simplifie hein, volontairement. Soit parce que la personne ne sait pas se débrouiller du tout en numérique, mais elle est consciente, soit où la personne est sous tutelle. Enfin, il y a énormément de situations. Et que ça puisse être fait soit à distance, soit au travers, ce que vous venez d'expliquer, madame, des maisons de services publics. Voilà. Donc, il y a des associations. On a déjà commencé à réfléchir là-dessus. Nous, notre rôle, c'est pour ça que je ne répondrai pas au nom de la représentation politique de l'État, mais notre rôle, c'est de réfléchir à comment la technologie puisse éventuellement aider là où c'est possible pour faciliter cette relation et pour accompagner au mieux ces personnes en difficulté. Et à titre personnel, je suis convaincu que la technologie peut aussi aider là-dessus, mais on n'y a pas trop réfléchi en fait. Bien, je voudrais donner la parole maintenant à Julien Marco, peut-être en dernier intervenant sur cette table ronde. Julien, vous êtes très actif à la métropole de Rennes et notamment vous êtes aussi délégué de l'ADSET, donc cette association qui est, met en œuvre des problématiques de transactions électroniques, notamment liées au transport. Qu'est-ce que vous inspire ces réflexions et en quoi est-ce que vous pouvez positionner en fait les initiatives que vous menez là-dessus, notamment à travers le projet Corrigo, qui est une carte fédérative des transports sur toute la région Bretagne et qui, quand même, je crois, couvre plus de 600 000 personnes. Oui, écoutez, bonjour à tous, pour commencer. Donc, Julien Marco, je suis chargé de mission au sein du pôle ingénierie et services urbains de Rennes Métropole. Donc, j'ai aussi ce poste assez transversal, donc j'ai la chance de pouvoir être non pas sous une direction, mais directement rattaché à un pôle. Donc, ce qui facilite aussi le fait d'avoir cet effet de silo et un peu historique au niveau des collectivités. Donc voilà, déjà pour commencer, je voulais me présenter. Ensuite, moi sur le projet Corrigo Service, je vais faire un focus sur le support. On a beaucoup parlé de plateforme et de portail ce matin. J'évoquerai essentiellement le support. Et en fin de présentation aussi les futures évolutions du projet régional. Donc déjà pour le projet Corrigo Service, donc c'est un projet qui est né en 2012. Un projet régional qui associe 22 partenaires. Je l'évoquerai par la suite. L'objectif du projet Corrigo Service, c'est bien d'avoir un projet multi-support, multi-service. Donc multi-support, c'est-à-dire qu'on veut faciliter, je reviens bien sur ce terme-là, faciliter l'accès aux services publics de nos citoyens, donc à travers des supports, donc des cartes, des applications mobiles ou autres. On a aussi le côté multi-service, puisqu'on veut aussi faciliter l'accès aux services publics, donc ça rejoint le transport. Même la vie universitaire, je l'évoquerai aussi tout à l'heure, ça évoque tout ce qui est piscine, tous les accès qu'on peut tous connaître. Je commencerai par faire un focus sur la carte. Nous, on a beaucoup travaillé sur la carte au début du projet, puisqu'en fait, cette carte Corrigo, aujourd'hui, si on revient sur l'enjeu de la fracture numérique, est accessible dès 6 ans. Donc là, on voit bien qu'à l'inverse d'un smartphone ou autre, on est vraiment sur un support universel et on avait besoin de stabiliser ce support-là, le faire évoluer pour pouvoir vraiment rentrer dans une dimension multiservice de carte de vie quotidienne bretonne. Donc Corrigo, donc le projet. Julien, ouais. On va peut-être pas. Non, je vais très vite. Donc Corrigo Service. Donc pourquoi Corrigo Service? Donc on part de cette carte-là qui aujourd'hui est distribuée sur la région Bretagne. Attendez, j'essaie de tourner. Voilà. Sur la région Bretagne aujourd'hui, donc 600 000 cartes Corrigo sont distribuées aujourd'hui depuis 2006 sur les différents réseaux bretons, différentes collectivités. Donc Rennes, Brest, Lorient, Saint-Brieuc, etc. Donc il y a aussi Saint-Malo qui est associé depuis peu. Et on a des accès donc déjà liés au transport avec cette carte-là régionale. Donc tout ce qui est mobilité, hein, autopartage aussi, vélo, bus, tramway et TER. Donc aujourd'hui, on n'a aucune extension géographique. Une extension aussi au service. Je l'évoquerai. Ah, j'ai un petit souci sur le. C'est la moitié sur le côté. D'accord. Merci, Eric. Non. Bon, technologie. Je ne sais pas. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment celle d'une structure de mutualisation, voilà, qui permet de mettre là, à disposition. J'ai un petit souci sur le. Je suis désolé. Oui, normalement, ouais. Pas de souci. Donc voilà, donc l'accord de partenariat du projet Corrigo Service, donc les collectivités qu'on voit au-dessus. Acteurs institutionnels, donc tout ce qui est université Rennes 1, Rennes 2, le CROUS, CCI, donc après acteurs privés aussi. Donc là, on a complètement quitté le diapo. Non, c'est revenu. C'est bon, mais... Donc ensuite, c'est dommage parce que c'est pas facile. Voilà. Donc aujourd'hui, on a donc fait évoluer la carte Corrigo.
Donc depuis 2012, on a intégré une norme pour être conforme avec la CNIL, c'est ce qu'évoquait Eric tout à l'heure. Donc on est les premiers à lancer cette nouvelle carte Corrigo Service, qui va vraiment intégrer des identifiants au sein de la carte pour accéder à du multiservice, au-delà du transport. Donc aujourd'hui, on a fait un travail avec les services, médiathèques, etc., pour voir comment on pouvait intégrer ce nouveau support, faciliter l'enrôlement, enfin l'inscription et l'accès aux services. L'intérêt, c'est que cette carte-là, aujourd'hui, ne porte que des numéros, pas de données personnelles. Donc elle permet d'accéder à des services via une lecture du numéro qui est associé au compte en back-office online. Donc on a beaucoup travaillé sur la carte, on l'a normalisée. Donc aujourd'hui, beaucoup de collectivités ont aussi ce projet de carte multiservice basée sur une carte de transport. Donc on a en juin 2015, on a eu la validation de la commission de normalisation sur la carte Corrigo, notamment pour intégrer l'AMG, qui est la nouvelle norme en France, qui demain sera, j'espère, partagée par beaucoup de collectivités, notamment Amiens, Lille et notamment même Caen aussi, qui est intéressé par cette normalisation. Et Bordeaux aussi, enfin, c'est pas exhaustif. Aujourd'hui, le visuel de la carte Corrigo, la nouvelle carte Corrigo, c'est celui-ci. Donc, il n'est pas forcément changeant par rapport à l'ancienne carte. On a rajouté juste et des services sur le recto au niveau de la baseline, la carte bretonne des déplacements et des services, et quelques pictogrammes sur le verso, donc pour essayer d'avoir une dimension multiservice. Donc, cette carte-là, aujourd'hui, a été commandée. On a 270 000 cartes qui ont été commandées. Donc elle va permettre en fait à terme de pouvoir être de remplacer progressivement les 700 000 sur la région. Donc on a beaucoup de collectivités donc, associées au transport qui sont bien sûr dans la boucle, mais aussi d'autres collectivités beaucoup plus petites qui n'ont pas de réseau de transport comme Concarneau, Lannion ou Morlaix, qui sont aussi très intéressées pour le côté multiservice de ce support, de ce support-là. Donc voilà, donc on va mettre ça en circulation d'ici deux mois. Donc on va être les premiers en France à intégrer cette norme-là, la norme AMG, dans ces cartes de transport. Et on fera un petit peu de communication prochainement. Alors les services associés aujourd'hui, il faut savoir que depuis deux ans, Rennes Métropole et les services internes, donc Ville de Rennes mutualisés, que ce soit aussi services numériques, informatiques ou autres, sont associés. On a donc des services aujourd'hui intéressés par ce support, cartes et puis mobiles à moyen terme, pour l'accès au bus, au métro, ça c'est déjà le cas, pour tout ce qui est piscine, autopartage. On a aussi des partenariats avec la vie étudiante, donc tout ce qui est CROUS et bibliothèque universitaire de Rennes 1, Rennes 2. Donc là, on a aussi un support qui permettra d'accéder au CROUS dès septembre 2016, de pouvoir emprunter des livres aussi dans les universités Rennes 1, Rennes 2. Un projet régional, donc du coup, ça suppose aussi des relations avec les CROUS de la région Bretagne, qui sont aussi en capacité de le faire, et l'université bretonne. Le spectre des autres services, donc on a aussi en 2016 zéro dateur avec la carte Corrigo, un accès, un moyen de paiement avec un tarif préférentiel, des accès au parking et un ouvrage. Donc là aussi sur la ville de Rennes. Donc voilà. Et demain, moyen long terme, donc c'est d'autres échelons territoriaux, hein, c'est des départements, c'est aussi la région et d'autres villes. C'est donc l'accès aux déchetteries, donc ça c'est aussi dans le spectre pour 2017. L'accès aux bornes de rechargement de véhicules électriques, donc là on travaille aussi avec la région puisqu'il y a un projet d'intégrer la carte Corrigo comme étant le moyen d'accès, de déclenchement des bornes. Et donc après, donc, d'autres échelons territoriaux, j'ai évoqué tout à l'heure, c'est tout ce qui est crèche scolaire, tout ce qui est centre d'accueil des enfants, donc on travaille aussi avec le département là-dessus. Voilà. Et enfin, je terminerai par la gouvernance sur le projet comme celui-ci, qui est un projet régional, donc qui fédère quand même 22 partenaires et qui demande pas mal de dynamisme, on va dire, en termes de réunions transverses pour maintenir une information sur l'avancée du projet. On s'est aussi associé à Mégalis, qui est un syndicat mixte régional, qui aujourd'hui fédère l'ensemble des collectivités bretonnes. Et donc, du coup, on a vraiment besoin de ce syndicat-là. Donc, on a fait une convention cadre. Et derrière, l'objectif, c'est que ce syndicat mixte-là nous accompagne pour avoir des commandes groupées de cartes, de lecteurs aussi pour les collectivités qui le souhaitent. Et derrière aussi, pour aller sur une plateforme multiservice régionale. Donc, là, c'est vraiment le projet de cette année. On a créé un groupe de travail donc avec Mégalis et notamment la DSI qui est associée à ce groupe de travail-là pour intégrer vraiment la dimension du SAV, puisqu'aujourd'hui, le support est là, il existe, il va pénétrer dans la région. On va devoir maintenant le gérer au niveau du SAV. De service après-vente, pardon. Et donc, quelque part, on doit lancer une AMO avant l'été sur le sujet. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme régionale donc, qui couvre les 3 millions de Bretons. Donc, c'est assez ambitieux. On ne sait pas jusqu'où on pourra aller. Néanmoins, on a vraiment la volonté de le faire. Et voilà. Donc, au niveau du planning, voilà un petit peu sur la plateforme. On a bien entendu intégré dans le cahier des charges France Connect et RDECO. On doit intégrer les standards et les normes en cours, ça c'est évident. Et ensuite, on est sur un planning assez court avec une mise en ligne du DCE, donc du marché pour mai 2016 et une attribution en juillet pour lancer vraiment opérationnellement le sujet de la plateforme associée à la carte et au mobile, puisqu'on travaille aussi sur le mobile, une application mobile qui pourrait être aussi le duplicata de la carte. Mais voilà, ça c'est aussi en cours, mais je ne l'évoquerai pas aujourd'hui. Voilà, j'ai été un peu vite, mais... Entendu. Écoutez, on arrive au terme de cette partie de la matinée. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions, Jean-Paul Leroy, de la métropole de Lille?
Oui, bonjour à tous. Jean-Paul Leroy, métropole européenne de Lille. On a beaucoup parlé des besoins des usagers et je me rappelle, il n'y a pas très longtemps, de la restitution d'une étude de la Caisse des dépôts sur les besoins exprimés par les usagers en termes de numérique, et en particulier en termes de transport. Et il n'était pas du tout lié à ces sujets de cartes multiservices et autres. Alors, est-ce que vous mettez en place des moyens pour effectivement recenser les besoins des usagers, ou alors est-ce que vous prenez le parti pris que vous vous mettez en avance de phase pour répondre aujourd'hui à des besoins qui seront ressentis, qui feront qu'à un moment donné, c'est l'offre et la demande qui se rencontrent? Je vais commencer par répondre. Oui, Jean-Paul, ta question, elle est pertinente. Nous, en effet, je ne l'ai pas évoqué, j'étais rapide, on a assez vite intégré le monde universitaire dans la boucle, puisqu'en fait, on avait des référents des universitaires N1-N2 qui étaient associés au projet dès 2011. Et en fait, il y avait une demande au niveau des étudiants, puisqu'il y a une forte convergence entre les services de la mobilité et de la vie universitaire. On sait tous, le métro à Rennes ou même dans d'autres collectivités, c'est un très fort taux d'usage des étudiants. Donc, clairement, nous, on a fait un pilote en septembre 2014, où on avait donc déjà lancé la carte Corrigo, donc 1500 exemplaires, pour tester l'appétence, on va dire, des étudiants. Et quelque part, en effet, il y a eu vraiment une forte appétence, puisqu'ils demandaient cette nouvelle carte Corrigo pour vraiment faciliter l'accès. Enfin, je pense que beaucoup d'étudiants en avaient très marre, je pense que la plupart en avaient vraiment marre d'avoir deux supports pour accéder à la fois au CROUS ou prendre le métro. Enfin, ça paraît logique, mais n'empêche que l'appétence, elle est côté étudiant, ça c'est évident. Après, en effet, pour les autres services, je pense qu'il y a peut-être une anticipation de notre côté aussi, nous, en tant que collectivité, pour se dire, voilà, le support, on le prépare. Peut-être que les services que j'ai évoqués, notamment sur la fin, ils seront jamais accessibles via un support, mais néanmoins, on le prépare. Et sur ce qu'on a déjà identifié, on est sûr que ça fonctionnera. Tout ce qui est vie étudiante, accès aux services piscine et bibliothèque, il y a vraiment des choses qui paraissent logiques. Après, c'est vrai, on anticipe beaucoup les choses, mais on ne va pas créer un besoin. On va répondre surtout aux besoins immédiats. Amélie Bras, le mot de la fin. Oui, très, très vite. En fait, on a souvent oublié l'usager, pas que dans le département du Calvados, mais ailleurs aussi. Et là, on est en train de réfléchir avec ma mémo notamment, comment on va les impliquer dans tous ces projets. Et quand je vous parlais de l'accueil électronique demain, enfin l'accueil, mais c'est pas simple en fait. Le panel, est-ce que ça porte ses fruits, etc. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Et si vous avez mené des choses, c'est vrai que ça nous intéresse d'avoir des retours d'expérience pour réfléchir avant tout usager. Et non pas comment nous, agents, on perçoit le besoin de l'usager. Mais je n'ai pas de solution. Nous, on n'a pas forcément mené encore des choses là-dessus, mais il y a une expérience assez intéressante qui a été, enfin, qui est plus qu'une expérience, parce que ça fonctionne, qui est le Tuba à Lyon, qui ressemble un peu à votre rond-point numérique, qui est vraiment, et qui peut répondre aussi à l'expression du warning que faisait M. Guéguenia ce matin, à cette logique où on va redonner du contact parce que ces tiers-lieux deviennent des lieux où effectivement on va pouvoir tester l'appétence des usagers sur les services. Donc on remet ça aussi au cœur des dynamiques French Tech. Hein. C'est le cas ici. Il y a des tiers-lieux de ce type-là. Il y a le forum digital, il y a le rond-point numérique. Et je pense que c'est un élément qui fait que le numérique prend aussi une dimension physique qui concourt effectivement à faire en sorte d'avoir une meilleure acceptabilité de la dématérialisation, de la généralisation, parce qu'on va pouvoir faire de la médiation numérique. En fait. Bien, écoutez, on vient à la fin de cette table ronde qui a duré quand même un certain temps. Juste, moi, ce que j'ai noté en conclusion et très rapidement, c'est que d'une part, on a des technologies qui sont maintenant matures et qui commencent à dérouler, qui vont permettre de faire beaucoup de gains, de fluidifier de nombreuses procédures et de gagner en productivité et donc en temps pour passer sur le deuxième thème qui est celui de l'inclusion qui ressort de manière systématique, c'est-à-dire comment peut-on faire en sorte que la confiance se recrée à travers de nouveaux usages et à travers une inclusion de tous dans ces usages par le numérique. Merci.
Merci à tous de ces interventions extrêmement riches. Merci Laurent. Je voulais juste rappeler donc pour ceux qui nous suivent en direct qu'on va reprendre donc après notre pause à 13h30 avec ce café gourmand avec le Cercle du Coin, l'association qui va nous parler du blockchain. Et donc j'espère qu'on sera tous encore là ensemble ensuite pour le débat plus participatif où la question de la participation des habitants, voire même de leur responsabilisation en tant qu'éventuellement un jour propriétaire de leurs données, ce qui est un sujet qui est sous-jacent à ce qu'on entend ce matin, sera abordé. Et je rappelle que donc le ministre sera des nôtres à partir de 16h avec sa délégation, avec les députés. Et nous l'accueillerons. Donc Marc Le Cerf l'accueillera à 16h en cours de ce débat de l'après-midi. Voilà, merci pour ceux qui nous suivent à distance à tout à l'heure. Et maintenant, de notre côté, nous allons aussi déjeuner.